Non, peut-être que j'en sais que la bonne scène. Un jour, faudra vraiment qu'on pète un câble et qu'on fasse un changement de rôle. Ça Pardon. pourrait être très très Oui, drôle. je crois que ça pourrait être drôle aussi. Ouais, je veux bien faire la cuisine. Vous ferez manger que des restes. Alors, capitaine, un jour je vais adorer. Ah là 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 là. Ou alors je me mettrai en petite tenue et je ferai l'infirmière. Ouh! Oh là là! Ouais, bah ouais. Ce stream va être déconseillé au moins de 18 ans. C'est pas déjà le cas? Bientôt au moins de 32. Bon, ça au va. Moins, au moins j'ai de encore 35. L'âge. Ah, Christella, au revoir. Ah, on s'est. Au revoir. Ben, si c'est moins de 35, moi. Eh, ah ben coucou Zélio, bonjour. Je le jeu est en multi ou uniquement en coop? Il est en coop. Ah. Je me c'est trompe pas. Peut-être. Ouais, ouais, il est en coop. Là, donc, c'est. Je crois que c'est 8 maximum pour le jeu. Donc, il y a de quoi faire. Mais non, non, c'est pas un multi, c'est pas comme Fortnite ou des trucs comme ça. Si c'était la question que tu voulais poser. Du coup, est-ce que tu veux qu'on avance pour. Ah bah, de toute façon, on va commencer, oui. Enfin. Allez, c'est parti. De toute façon, on n'a pas besoin de bouger. De bouger le bateau. Pas de PVP donc, ouais. Je cherche un jeu de survie de ce genre multi grâce. Galère à trouver. Marre de ARK. Alors, ARK, oui, je comprends tout à fait Zélio parce que j'y ai déjà joué beaucoup trop. Tu as Rust, tu as DayZ. Il y a les forêts aussi. Il y a forêt. Ouais, mais en PVP. Ah non, non, pas en PVP. Tu, ah, peux, voilà. Tu peux très bien faire du PVP sur The Forest. Hein. Ah ouais? Ah ben. Rust, oui, parce que si tu actives les dégâts alliés, tu peux, chacun peut construire dans son coin s'il veut, et s'ils veulent. Hein. Ah oui. Bon, ben voilà. Sinon, t'as Conan Exile aussi. C'est très très bien. Bonjour, Chris Gain. Qu'est-ce que tu aurais d'autre? Bah, ça va, j'espère que toi aussi, Chris Gain. Et... C'est bien, j'avais juste. J'étais sur Once Human, si vous connaissez. Non, c'est. Je connais pas trop. Don't Starve. En PVP, qu'est-ce qu'il y a Après, moi, je cherche surtout les jeux non PVP ou alors où on peut faire sans PVP. Donc. Alors après ça dépend parce que tu peux avoir aussi Scam, vous avez testé? Non, pas du tout. Mais effectivement, c'est un jeu qui l'est aussi. Ah non, c'est le du coup, je vais pas aller bien loin parce que je crois que c'est juste derrière que je dois aller. Je vais faire juste un petit demi-tour. Qu'est-ce que tu fais toi? Mais me garer, mieux, parce que là on est que sur la petite île, enfin. Ah non, non, on est arrivé, hein. Ah, on est déjà arrivé, d'accord, ok. Ah, mais je suis bon. Merci pour vos réponses, conseillers, mais de rien, avec plaisir. S'il y en a qui veulent, il faut descendre, c'est devant, sur la droite du bateau. Hop là. Ouais, sur cette île d'histoire-là, tu peux pas te rapprocher du point de signal plus que ça. Alors, c'est le fun fun. C'est parce qu'il y a la banquise. Hop, par contre, je serai vous, je pense qu'il faudrait avoir un bon stock de nourriture parce que. Stock de viande et de nourriture. Hop, je vais prendre ça. Remplissez bien vos gourdes aussi. J'ai dit les gourdes, pas les femmes.
Oh. J'aurais pas dit comme ça. Oui, mais bon, voilà. Je suis. Voilà, je vais avoir la gentille féminine qui va me tomber dessus. Et plus si affinité, parce que bon. Non, le pire, c'est que j'ai fait la même, si vous vous souvenez, à Noël, sur mon antenne, enfin Noël, la période des fêtes, quand je jouais à Resident Evil, ou peut-être un peu avant, ouais, c'était peut-être un épisode avant, avec Jill Valentine qui prend sa fiole pour les cadavres, là, avec le kérosène, enfin avec les zombies. Ouais. Et j'avais dit, en gros, il y a une gourde. Enfin, oui, non, je dois m'occuper de la gourde. Et là, je dois prévenir que je suis mon vilain. Et je dis, laquelle? Voilà, plus subtilement. Mais l'idée est honteusement la même. Mais là, pardon, ton retard, la manière dont tu l'as dit, c'était... assez violent. Ouais. Oui, je conçois. Mmh. Attends, je vais pouvoir me rapprocher un peu, petit Seb. Suffit juste de faire le tour de la petite île, là, et puis on sera bon. Ah bon, si tu veux. Parce que, ouais, mais sinon, tu traverses la flotte, hein, donc... Ah bon? Ah oui. Derrière la petite île, t'as de la flotte. Le sage, pendant qu'on fait ça, tu peux enlever tous les panneaux que t'as mis un peu partout, là? Oula. Ah oui, oui, oui. Où est-ce que j'ai... Je vais essayer de les retrouver, honnêtement, mais... Étant donné que j'en avais 10 en réserve et qu'il n'y en a plus, il faut que tu me retrouves les 10. Oui, j'ai dû mettre les 10, oui. J'étais assez... Pouvez-vous lever l'ancre, s'il vous plaît? C'est déjà fait. Je vous remercie, capitaine. Attends, c'était où qu'on jetait des plumes? Ah oui, je crois qu'on les jetait parce qu'il y en avait trop. Dans le broyeur. Ah, dans le broyeur. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas localisé. Il est où le broyeur? Il doit être au centre d'une allée au niveau de la cale. Oui. Moi, j'ai eu la bidoule. Ah oui, comme ça. C'est fait. Alors, je vois rien. On passe la petite île comme ça. On est bon. On arrive parce que quand j'étais là sur... Et je tourne à droite, Zébardi. Hop là. Bonjour, Nayar. Ah oui, c'est juste une première. Vas-y, full, tourne à droite, hein, vraiment. Je full. Attention, Gerbotron, avancé. Redresse. Ah oui. On va mettre à droite. Alors, attends, la quête des panneaux. Il ne sait plus, il a oublié. Le mec, il a posé 10 panneaux dans le bateau et il va pas arriver à me les retrouver. peut-être la moitié, mais alors après... Je sais plus. Je me souviens que j'en ai mis un sur décale un peu à gauche. Du bateau. Enfin, sur le pont supérieur, non? Ah, je vois le gauche. Gauche. Et on se gare. Ah, tu peux descendre à l'angle, c'est là, redresse. Droit. Oh la vache, ça fait bizarre de voir la banquise. Non, c'est pas... Puis tu peux jeter l'encre dès que tu y es, hein, Christian. Ah, il y avait le... C'est bon, encre, lâche. Ok. Pardon. Impeccable. Bah non. Oh, on est bon. Est-ce qu'on est bien garé? Alors, attends. Mais je c'est pense parfait. Qu'on doit pouvoir sortir par l'arrière plus que par l'avant, ouais. Ouais. On va tirer mes panneaux, là, c'est pas possible. Ouais, à l'arrière ça va, ça descend nickel. J'en avais pas mis là. Mais non, ils ont été rangés les panneaux, ils sont plus là. Ceux dont je me souviens, ils sont déjà plus là. Quelqu'un les a retirés. Ah non, ils ont été rangés les panneaux. Bah non, personne n'est allé au jeu entre temps, donc. Ah bah y'a un. Et puis le seul à pouvoir connecter tout le monde, c'est moi, sauf que là. J'ai pas fait. Ah non, mais je viens de vérifier l'emplacement de 3-4 panneaux, il y en a plus un seul, hein, et je bluffe pas, hein, je déconne pas. Il a mangé tous mes panneaux, le sage. Bah, ça voudrait dire qu'il y a un bug. Là, je me souviens de l'emplacement du cinquième qui était sur un des ponts
Je sais plus si c'était l'inférieur ou le supérieur, mais je suis sur l'inférieur, je joue le supérieur depuis l'inférieur, évidemment. Non, non, il n'y a plus rien. C'est bizarre. Étrange. Ah non, là, je suis désolé, mais alors on aurait perdu 10 panneaux. Attendez, je vais vérifier, je me souviens d'un emplacement sous une machine. Non, non, il n'y a plus rien. Une fois que marché, vous m'avez fait une farce, il y a tout dans ma cabine. Je vais aller dans mes quartiers, je sens que je... Ah, attendez, il y en a peut-être un qui était aussi près des moteurs. Ah, ben tu... retourner la farce contre moi. Non, je sais pas. Cet homme, je sais pas où. Ah. Qui a cabine? Non, non, il n'y a rien dans ta cabine. Ah non, non, il n'y a rien. Puisqu'on est passé là tout à l'heure, on a vérifié, il n'y avait rien. Alors ça c'est fort. Oh, va explorer l'île avec les autres. Moi je m'amuse à faire fondre des choses et je me rendrai plus tard. Non, il faut faire le plein de déjà de boissons. Et bon. Nourriture. Alors, effectivement. Ah, bon voilà. Oh, Blue Monday, coucou, comment vas-tu? Oh, silence, on dort. Salut, Blood. Bonjour, Blood. Alors, ça... Oh, attendez. Y a pas des ours polaires ou un truc comme ça, quand même, sur l'île? Seulement des grizzlies. Oh, génial. Attendez. On va se faire et bouger. Bonne année, Blood Monday. Bonne année. Eh oui, meilleur vœu. Oh, wow, c'est stylé. Oh, que c'est stylé. D'accord, j'y arrive. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, putain, c'est quoi ce merdier? Ouais, je vais devoir passer mon permis, hein. Oh, putain. Ah. T'as trouvé un truc qui roule? Qui roule ou qui glisse? Oh, punaise. Ouah, l'éclate. Oh, oh putain. Mais il y a encore plein de pierres ici. Oh, secours! Non mais casse-toi le grizzly! Ah ben voilà, il est ours polaire. Pardon, pour info, pour la qualité du direct, sachez que l'un d'entre vous, on entend un début de discussion en arrière-plan. Oh la vache, comment ça glisse? Bon, ça attaque comme un ours polaire, putain! J'ai l'impression que je vais me prendre pour Philippe Candeloro, là. Triple XL! Ah ben voilà! Alors, ah, donne-moi ta jolie petite tête, nounours. Oui, bah, c'est vrai. Hop là. Pardon, j'aurais mis avant à Chris Game. Non, je l'avais salué. Non, bonjour, bienvenue Chris Game, merci d'être là. Ouh. Wow. C'est bon. Essaye de pas me rouler dessus, ça serait bien. j'ai pas envie de trépasser comme ça. Mmh. Il fait mumuse avec quoi là, Dorota? Jet ski, enfin pas un jet ski, mais. Une machine où on va pouvoir voler assez bien, apparemment. Oh. Hop là. La banquise assez secret, mais c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette cité de... Ah. Rentrer dans ces trucs? Non, t'as pas rentré. Ah, ben alors, attends. Ah. J'arrive, je sais où tu es. Oh, putain. Comment je passe du mauvais côté. En fait, ouais, il faut tirer des câbles. J'en ai déjà tiré et normalement tu pourrais peut-être. Oui. Ah bah attends, je vais celui qui est devant moi alors. Oh 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 putain. Ah oui, mais attends, il faut que je le mette où? T'es où? De toute façon, Chris, avant de poser les câbles, faut arriver à tous les trouver histoire de.
de pouvoir tout faire d'un coup, parce que sinon ça risque d'être frustrant de commencer. Mettez-vous, Christella. Je suis derrière le sage. Je dis rien. Combien t'as trouvé 3 câbles, non, je crois. Je sais pas combien. J'en ai trouvé 2 pour l'instant. 4, on a ramassé 2 fois et ça les ramasse par 2. Là, on a 4 câbles. 4, ah, ok. C'est là, moi je vois un endroit où apparemment il en faut 2. Il y a 2 câbles qui sont cassés, donc il faudra en mettre 2. Vous êtes où? Je ne vous vois pas parce que vous êtes du côté des maisons. Si vous descendez, ouais, normalement vous allez me trouver. D'accord, on était dans le ravin. Mais c'est dingue, même avec le chasse-neige, vous savez quoi, je pense à X-Files, le film. Oui. Franchement, le dernier du nom, puisque c'était un hiver. Ouais. Effectivement. Bien vu. Ouais, là, il y a encore un autre truc. Il y aurait l'homme à la cigarette qui se présente à moi quand j'ouvre un truc. Que ça je te vois, ton jet ski. Ben, tu peux monter derrière si tu veux. Oui, merci, c'est gentil, Chris Game. Là, il y a encore 2 cas, donc ça fait 4, ouais. Hop. Je vais voir en haut. Après, il faut trouver les antennes comme cela là. Il y en a un peu. Donc ça fait 6 câbles apparemment. Il y a 2 câbles par poteau là. Ouais. Mais, allez, viens, on va aller chercher Christella. Alors, je vais me refaire une machette. Machete. On va pouvoir se faire des ours comme ça. Le câble, on peut pas entrer. Ah oui, le coup du câble doit ouvrir le sas de chaque igloo. Toc, d'ailleurs, okay. Que j'y pense. Je commence à comprendre. Voilà. Et celui-là là-bas, c'est un gros morceau. Wouhou! C'est énorme. Il y a un jet ski comme ça. Un gris de skidoo. Ok. Digicode. Alors. Hop. Attends, il mais de toute façon, pour l'instant, vous avez déjà relié les câbles ou pas? Bah non. Non, ok. Allez, en avant, on va aller chercher les câbles. Ah, il y a encore un autre truc là. Je sais pas si je l'ai déjà vu ou pas celui-là. Je m'en rappelle plus. Allez. Ouais, vous voyez, vous vous plaignez qu'il n'y avait plus rien, mais grâce à tous les barbecues que j'ai fait, d'un seul coup, on avait plein de bouffe. Bien joué, Capitouine. Allez, attention, j'arrive. Personne veut monter, et ben je vais aller chercher les câbles. J'arrive. Touk. Trop bien. Ah oui, c'est vrai, que je me fasse un sac à dos. Allez, vas-y, Christella, tu peux le faire. Je t'en ai fait un de sac à dos, le sol. Ah merde. Oui. Je l'ai pris. Bah ouais. Oui, tu l'as sur le dos. Ah pardon. Alors, ma conduite n'est pas très... Oh merde. Ah oui, on a perdu un passager. Ah oui, t'as tellement bien démarré que j'ai chuté. Désolé. On va dire ça. Hein. C'est pas comme si j'avais appuyé sur la mauvaise touche. Oh, c'est quoi ce rayon de lumière là-bas au loin? Il y a un truc à la verticale. C'est bon. Ah oui. Excusez-moi, on peut repartir. Il y a un deuxième jet ski ici côté, à côté là, aussi. Sur l'île. Oh. Hop. Je suis pas sûr qu'on soit bien au meilleur endroit. C'est pas une très grosse prière quand même. Oh, il y avait des chaudières de... Oh. Non, moi ce que je voulais dire, c'est en descendant du bateau, est-ce que vous êtes allé sur la droite ou sur la gauche? Je pense pas. Ah, moi je suis allé au milieu. Moi j'ai fait le tour par la droite de la banquise. Attends, je vais peut-être t'aider, voilà. Je regarde, moi je. Je suis impressionné par l'animal, je suis tétanisé. Pour celui qui veut la tête, je laisse la tête. Hein. Non, mais ramasse-les les têtes. Oui, ça pue sa peur à AJ. Il aime bien se déguiser, j'avais remarqué. Mm-hmm. Allez. Attends, il faut que j'aille récupérer. Oh là là. Il y a 2 faisceaux là-bas. Ouais, mais j'ai l'impression de voir des cheminées de centrales nucléaires. Ah ouais, c'est ça, on dirait. C'est trop étrange. Je sais même pas où je suis. Ah, t'es pas... Oui, je suis à un endroit où il faut passer en jet ski.
jet ski, il y en a qu'un ? Non, il y en a deux. Hop. Moi, je reviens pas en arrière sur le... Ah, il y a une tempête. C'est là où il y a le jet ski. Hop là. Il y en a un. Oh, mais il y en a un deuxième, là. Ouais. Vas-y, ouais, prends-le, si tu veux. Ouais. Ouh, la vache. Allez, let's go. On fait les auto-tamponnantes ? Non. Oh, oh, attention. Ça part en... Tu vois pourquoi j'ai chuté, ouais, Christella. Salut. On n'est pas prévenu. Oh, oh, oh. Ouh, oh, yole. Ouch. Oh, il y a un truc derrière. Faut aider ton retard. Vite, coup de machette. Oh, le dans le fiac, dans le fiac, dans... On a combien de câbles, là? 8. C'est bon, non? Sûrement. Eh, oh, moi, je récupère plus. J'ai vu un truc marrant à faire, là, tout à l'heure. Ah bon? Oui. Vas-y, pilote. Ah, tu veux que je pilote? Voilà. C'est sur la droite. Là, à droite? Mais non, pas à l'intérieur, mais prends la route. Oh, là, tu vois le truc là sur la montagne, non? Ouais. Au fond, s'il y a travers. À fond. Aïe, ah, c'est l'air à fond. L'air à fond. Bien joué, tu peux le récupérer. Putain, pas contre le freinage. Ok. Bon, on est arrivé. Alors, une caisse. Oh, cocktail aux fraises. Je sais pas si on l'avait. Si on l'a, mais j'aimerais qu'on en serve un en vrai, là. S'il vous plaît. Le rêve. Ah, biocarburant. Un boulon. Oh, un bouillon de tête. Hop, j'arrive. On arrive, on va ouvrir les baraques. Ah, okay. Coucou. Vas-y, passe, il s'arrête même pas pour dire bonjour. Oui, bonjour. Bande de mal polis. Allez, on est parti. Ah putain, le truc s'est coincé. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je peux pas, il est coincé. Oh, si. Non, complètement coincé. Ah. Je peux pas le... Oh, mais c'est que le freinage à l'arrivée, ça a même pas freiné. Bon, mais faut y aller à pied. C'est une ambiance tellement étrange. C'est beau, j'adore le jeu. Hein. C'est... Oh ! Ouais. Ben voilà. Attends, je monte. Je sens qu'on va s'organiser pour... Ça va s'allumer comme un sapin de Noël. Ça va être trop beau. Toutes les maisons de sphère, là. Voilà. Les igloos mécaniques. Je roule sur qui ? I... Là, il y a quelqu'un. Oh, je cours. Mais j'ai un panneau. Le pauvre. Oui. Ah oui, il y a déjà deux câbles, là. Ouais, alors... Du coup, il faut visiter les maisons au fur et à mesure que vous les allumez. Sinon... On a le droit de se séparer, on se fait une maison chacun. Bah, vaut mieux les faire ensemble. Parce que... D'accord. Et là, effet Pokémon. Que... On la voit petite à l'extérieur. Je sais plus si on peut tout allumer en une fois ou pas, en fait. Oh, ça ferait village de Noël, ça serait trop beau. C'est ce que je dis à Torota, c'est qu'il y a... En fait, en vrai, depuis l'île des ours, je suis à moitié à l'aveugle, hein, je me souviens plus. Oh, c'est bien, ça correspond à ma nourriture. Après, moi, j'ai plus beaucoup de place dans l'inventaire. Oh, j'ai un PC portable. Dispo. Level up pour Fun Fun et Blood Monday, GG. Waouh, 20 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Attendez, j'arrive. Tu peux découvrir. Allez, vas-y, le sage, fais un petit soulevé de tête. Bon, je vous laisse de là. Je suis coincé dedans, je sais pas. J'ai un câble, non? Mais là, c'est bizarre.
en dessous là, non? Alors, ça par contre, en jeu vidéo, ça me rappelle voilà. San Andreas, Grand Theft Auto, quand faut se muscler dans la salle. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est vrai, parce que sinon tu grossis, bah, oui. Tu prends du. Et. N'oubliez pas, il y a des jetons aussi à trouver, parce que je viens d'en trouver un. Oui, je vous rappelle que les jetons, il faut qu'on les économise à fond pour. Ah. À la fin, puisque. Pour pouvoir faire notre étage de décoration en achetant tous les trucs. Wow. Alors attends, je regardais deux fois si on n'a pas loupé un jeton. Oh, le lit pingouin ou poisson, enfin, je crois pas, j'ai comme le coup d'œil, mais. Pingouin, poisson. La déco, lit, poisson. Oh, vous allez voir ça. Oh, pas la déco, le lit. Ah. Recette. Oui, enfin, c'est la couverture qui y a des pingouins et des poissons. Il y a tout, il y a même y a l'assiette, il y a le petit mug avec les pingouins. Oh, un jeton de plus. Dom Sweet Dom. Après, j'aime bien le jeu de mots sur le coup. Ah oui, excellent. Excellent, ouais. Hop là, ça va par là. Oh. Launch of Price. Maximilian Launchstoff. Hop là, direction. Là, voyons. Hop. Donc là, c'est un peu loin. Mais apparemment, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas intérêt à faire péter la voyons, cellule. Voyons. Est-ce que je. Bon. Oui, un jeton dans la marmite, c'est ça? Non. Il reste que 6 câbles. Là, c'est un peu long. C'est pas un jeton, ça, non, c'est l'évier. Si, j'en ai vu un. Par là. Ici, Dorota. Ouais, mais. Hop, je sais. Vas-y. Ah bah. Il y avait un jeton à côté de la porte d'entrée dans la neige. Déjà. Voilà. C'est dire. Voyons, à ta droite, à ta gauche. Ouais, bien vu. Il n'y en a pas des cachés derrière le lit. Oh, une note. Alors Christella, j'ai des objets que je peux plus récupérer parce que. Ah. Je viens de récupérer un truc, ça a. Moi, je suis complètement vide. Hein, donc. Ah, ben. Ici, là, petit Seb. Ouh, il y a des boulons en plus. Ah, là, il y a un. Ah, mais le jeton, je peux le prendre. Bien. Il ouais. Y a un pomme de soin, voilà. Je l'ai récupéré. Mmh. Là aussi. Non, non, là. Alors, là, attends, on est dans l'infirmerie, donc. Garde un petit peu. Mais je sais pas, mais. En vrai, les pièces, je me demande si elles respawnent pas au bout d'un moment, là, les jetons pour. Genre si tu pars loin de l'île et que tu reviens, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Avec le reflet du soleil, c'est stylé. Yes. Et hop là, allez, let's go. Bon, mais là, il y a un truc ici. Là, je peux pas. Ok, ici, bah c'est. Ça régale bien, ça. Oh, il y avait du biocarburant là. Attendez. Attends, je vais manipuler ça comme ça. Alors, voyons. Hop, on va faire ça comme ça. Tu. Le jeton caché sous l'oreiller. Oh, bien. Hop, il y a une caisse ici, donc là, je sais pas. Ah, oui, ah si, c'est bon, je peux tout récupérer. Il y a un distributeur pour les jetons. Là. Ah, ça, on verra plus tard. Ah, on peut avoir le tapis, le mug, l'assiette, on peut tout avoir en fait. Ouais, il y a tellement de trucs ici, c'est ouf. Après, je laisse des trucs à récupérer pour ceux qui veulent.
c'était une pomme de terre. Oh, des billards. Allez, let's go. Oh putain, il y a tellement de jetons. C'est ouf. Ouais, mais par exemple, tu vois, tu retournes sur, sur Atlantis. Moi, je l'appelle Atlantis, hein, c'est l'habitude. Tu prends le piano, c'est... je sais plus combien de jetons d'un coup aussi. C'est pas... Oh. Ah, ben, je peux pas. Yes. Et il y a autre chose sur la table, Torotin. J'ai pas de... Vas-y, j'ai... tu peux le prendre, ça. Normalement. Wow. Non, j'ai plus de place. Je vais juste... Non, je peux pas. J'ai pas de place, C'est bon, je l'ai récupéré. Ouais. Regardez bien sous les... Oui, mais le chalumeau, c'est un objet de quête. N'importe qui peut le récupérer. Du coup... Regardez bien sous les coussins et tout, dans les canapés, parce qu'il peut y avoir des pièces. Genre de... Là, je vais... Ça, on va dire que c'est bon pour l'instant. Oh, j'ai envie de... Danser la Macarena. Macarena. Ben, on a un duo de pigeons dans le bateau. moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il nous reste un câble. Est-ce que quelqu'un voit une bande quelque part électrique qu'on peut relier? Je sais pas, je vais... Ouais, on est allé en bas. Oh, il y en a peut-être un de trop, hein, c'est possible. Ouais, durable. Bah, tu sais, on avait deux pièces mécaniques en trop du bateau, on a 6 cartes d'accès d'Atlantis, on a 10 scotch d'Atlantis, on a un projecteur de l'île avec le requin marteau, là. Donc, Les billards, quelqu'un a vérifié les trous du... Attends, ah non, il n'y a rien. Non, ouais. Il y a des boules dedans, donc pour peu qu'il y ait un jeton planqué dedans, coincé, ça m'aurait bien fait rigoler. Attends, je vous laisse... Attends, j'ai minutes. Encore... Sur le... Si t'as des choses à... Ouais, ok. Si t'as des choses à donner, je peux les ramener au bateau. Hein. J'ai quoi, 5, 6, 7, 7 cases. Il n'y a rien sur les meubles. Après, c'est quoi là-bas, ce bâtiment? Christella? Ouais. T'as des choses à me donner? Je vais retourner au bateau. Du biocarburant? Ouais, maintenant ça va pas dépouper par terre? Non, vas-y. Et je récupère tout de suite, hein, de toute façon, le biocarburant. Boulon, bombe de soin, lingot de métal, charnière, une flèche peut-être. Oh, en métal. Ouais, du verre. Le cocktail, je te le donne pour que tu le mettes à la poubelle ou... Pas ouais, ouais, vas-y. Hop. Voilà, après, c'est tout. Tout ce que tout le reste, tu gardes, c'est bon. Ok. Et t'as bien ton sac à dos, oui? C'est bizarre. Mm-hmm. Ah ouais. Mais c'était que t'as pris plein trop de bouffe ou tout comme non, ça, mais non? Parce qu'il y avait plein de trucs à prendre. Le sage, il est où? En plein dans la neige, au milieu de tous les dômes, je suis en train de voir s'il n'y a pas un câble, comme on disait, là, qui n'a pas été branché. Alors là, il y a un endroit où on peut aller, mais apparemment, il y a du gaz, donc je sais pas si... Pas un masque comme ça pour y aller. Non, c'est une montagne. Pour moi, est-ce qu'il y a un truc à relier peut-être avec le câble pour faire pour alimenter une ventilation? Je trouve pas le stage, mais passez-vous. Je suis sur un dôme, je voulais voir s'il n'y a pas de trucs cachés en hauteur. Ah, ça y est, je te vois. Mm. Est-ce que tu as des choses à me donner pour parce que je vais retourner au bateau? Sur le navire. J'ai du petit matériel, je sais pas si ça vaut le coup. Si, vas-y. Bah, tant que j'ai de la place, en fait, je prends et ça, comme ça, ça vous allait, je vais continuer. Il y a ça éventuellement. Après, le reste, je peux garder. Merci, capitaine. Ok. Erreur. Ouais.
Ouais, donc Torota, est-ce que tu as des, oui. des choses que je peux ramener au bateau? Yes, mais je sais pas où vous êtes. Ah, tu es là. Alors, je vais te donner de la ferraille. Je vais te donner ça. Ça, c'est important. Alors, les recettes, parce que je sais pas du tout. Attention, parce que là, j'ai plus de place. Donc, il me faut que des trucs que j'ai déjà. Il te reste quoi à donner? J'ai pastèque, viande crue, plastique, corde, pommes de terre, noix de coco. Plastique, corde, je peux récupérer. Plastique, corde. Et la noix de coco, les trucs comme ça que vous récupérez dans les îles d'histoire, n'hésitez pas à les manger. Hein. Ouais. Mmh. Et puis voilà, c'est bon pour moi. C'est bon ? Bon, bah, j'ai récupéré tout pour tout le monde. Hop là. Et bien du coup, Christella et le sage, si vous voulez, on va avancer un petit peu. Ah, bah je vous rejoins. Alors, on va faire du jet ski, c'est ça? Ouais, exactement. Et bien, allons faire du jet ski. Aïe! Bon, c'est marqué qu'on peut encore tirer des câbles, mais. Ah, mais il y a un jet ski qui a respawn. Attends, je vous ramène celui-là. Comme ça, si vous voulez se séparer à deux, là. Oh, mais c'est mieux qu'on soit tous ensemble, mais ce chef. Vous avez oublié une note? Elle est contre le truc? Ah ouais? Deto nous a fait des idées abandonnées. Le garçon a réussi à ouvrir la grâce à des câbles. Le plus grand des igloos est toujours éteint, je me demande ce qu'il contient. Deto m'a présenté un homme, Ruben. Il était blessé, une attaque d'ours sans doute. Je l'ai aidé à refermer ses plaies. Astrid fait la même chose. Quand j'étais blessé dans le temps, où es-tu, Serette? Ah oui. T'es où, Christella? J'arrive. Je regardais si on n'avait pas oublié un truc à connecter. D'accord. Le sage aussi a fait le tour, mais apparemment, on n'a rien oublié. C'est troublant. Oh mon dieu. Enfin, je peux prendre le deuxième jet ski au cas où il y a un problème avec, comme j'ai vu tout à l'heure, que le truc s'est coincé. Ouais, on va dire que c'est moi le fautif après ça. Non. Ah non, que c'est moi qui est coincé là. Ah ben voilà. Mais avance. Bon, le bateau, il est où maintenant? On dit femme au volant, mais même femme en jet ski, hein. Toronto au jet ski, mort au tournant, hein, putain. Non, moi ça va. C'est une centrale, ça c'est pas possible. Ah, mais il y en a encore un autre là, jet ski, top. Le sage pourra repartir avec le sien. Ouais. Voilà. C'est une centrale, c'est pas possible. Ah, mais il y en a deux même. Ouais, de chaque côté. Oh. On aura chacun le nôtre. Et moi j'en ai un aussi. C'est la collection! Ah oui, chalumeau. Là, c'est génial, c'est vachement bien fait. Une clé de Sélène? J'ai jamais entendu parler d'une clé comme ça. Sélène. Ah oui, une clé de Sélène. Ah oui, mais on n'a pas la clé. C'est un truc. Ah, Sélène, c'est le nom de l'endroit. D'accord. Ah ouais. Research facility. Comment ça, des recherches? Bah c'est d'où viennent les deux rayons là, peut-être que c'est un truc électrique ou ça va quoi. Oh. Oui, il y a un endroit où on était tout à l'heure où moi je suis descendu, mais comme il y a du gaz, je sais pas si. Ah mais tu l'as vu où? On va y aller. Mais c'était à la ville. Ouais. Eh ben let's go. Le sage, si tu veux prendre ton jet ski, tu peux. Oui merci. Je commence à faire un raisonnement sur ce qui s'est passé. En fait, ce qu'on voit, c'est peut-être un énorme congélateur. Ils essayent peut-être de générer une énorme banquise, puisqu'ils sont partis pessimistes à l'idée que l'eau ne redescendra plus jamais, le niveau d'eau sur la planète. Et ils vont peut-être essayer de regagner du terrain en générant des banquises sur des kilomètres, en refroidissement presque tout l'hémisphère. J'ai mis des théories, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Olé. En fait, c'est un énorme congélateur.
Hop là. Joli, déjà vous. Oh la vache, c'est voilà, pas facile de piloter. J'arrive. Ah, Donc voilà, c'est là le bâtiment où il y a du gaz au fond. Donc je sais pas si on peut y aller sans. Pour la science, je vais y aller. Sont les toilettes alors. Non, vas-y, pars du gaz au fond. Oui, oui, c'est démobilisé, après il faut te sauver et on va tous mourir. Comment ça, on va tous mourir? Il y a du gaz dedans. Ah, c'est bon. Ouais. On a tout relié. C'est bizarre. Oh, oh. Je vais avoir un souci. Il me reste plus qu'une gourgée de gourde d'eau. Attends, comment ça? Allez, je retourne au navire, ouais. Hop. Ouais, moi aussi, mais bon, je me la garde précieusement. Je vais voir s'il n'y a pas un autre endroit. Non, moi je sais de me dire. Quitte à vous apporter des gourdes. Bah, le mieux c'est qu'elle me faire deux gourdes, non? Moi j'en ai deux. Bien, bien joué. Non, mais. T'es la maligne du groupe. Ah, mais comment vous faites pour boire autant en fait? On a soif, Capitoune. Y a pas assez de soirées à Perron, Capitoune, à bord. Alors, ça déshydrate le sac. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait mon vilain. Ah oui, c'est comme ça qu'on se bloque. D'accord. Wow! Dans le navire, on est où? Wow. Où étions-nous? Oh. Non, on n'avait pas vu la réfrigérateur. Où est-ce que je dois aller? Oula! Mince, je ne peux pas passer. Aïe! Est-ce que là, je peux aller? Ça me rappelle Tomb Raider 2 là, avec Lara Croft. Sauf qu'on a une vue à la première personne. C'est trop bizarre. Wow, wow. Tout doux la machine, tout doux. Oui, bon, finalement, je vais peut-être y aller à pied, c'est plus prudent. Oui. Il doit y avoir un truc qu'on a loupé quelque part. Attends, parce que s'il nous faut la clé. Ah, oh! Bon, eh bien, j'ai planté la machine. GG à moi. Dans les notes, il disait de l'intérêt d'atteindre le dôme central, mais on l'a, c'est le gros allumé, là. Oui, oui, non, mais ça. C'est... Cette zone-là, elle est faite, c'est bon. Non, il y a juste une chose. Dans le navire, peut-être par là-bas. Ah, le misclic. Oui, ça y est, je revois notre navire, c'est bien. C'est bon, j'ai à peu près le sens de l'orientation. À peu près. À peu près. Alors c'est bête, mais les mouettes sont une bonne indication de la localisation du navire en regardant le ciel. Quand on voit les deux mouettes tourner en cercle, on se dit c'est bon, c'est ça.
Hop là. Un ours mal léché. Non mais laisse-moi prendre. Normalement, la gourde, vous l'utilisez que quand vous êtes quasiment à la limite et vous en buvez qu'une gorgée pour en remettre un maximum. Bah non. Parce que si tu remontes tout d'un coup, c'est sûr que tu vas consommer bien plus et bien plus vite. Ça, tu le fais quand t'es à bord et qu'on a les filtres à volonté. Mmh, ouais, mais... Enfin, je sais pas, je vais essayer, je vais suivre le conseil. Qu'est-ce que tu cherches? Non, rien, je suis en réflexion. Je cherche. J'ai déplacé ton coffre menu du chef. Ah oui, d'accord, ok. Ok, capito. Il me manque la charnière. Que ça, c'est bon. Mmh. Oh, c'est quoi ça? I've already lost Miranda. I will not lose you too, Henry. J'ai perdu Miranda, je refuse de faire. Wow! Sa mère? C'est sûr. Un des sceptiques qui pense que le froid est trop dangereux. Alors. Ce qui attend de l'autre, c'est la tempête de neige. J'ai trouvé la suite. Mais t'es mort. Et pas du tout. C'est que... Et je suis tombé dans un trou. Ah. Ouch. Je pensais visiter une tour parce que style... c'est un style de tour astronomique. Oh là la Razmoquette, comment vas-tu? Salut Razmoquette, bonne année. Parce que comment pour remonter maintenant? Eh bien, je ne remonte pas. Il va falloir que je passe en dessous parce qu'il y a un chemin qui s'est fait. Donc, il y a la flotte. Donc, eh bien, vas-y. Je vais voir d'abord s'il n'y a pas d'objet à récup. Bon, eh bien, let's go. Hein. Dorota, il faudrait que je te MP sur Discord. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, la Razmoquette. Oui, bonjour la Razmoquette, et puis tous mes voeux la Razmoquette, pardon. Oh putain, vas-y. Maintenant. Un poisson de mes deux. Donc j'appelle à mes spectateurs, pardon, mais aujourd'hui il se trouve que je suis barbouillé. J'ai une reprise, je démarre la nouvelle année de manière tonitruante, et là j'ai mal fait ma cuisine hier soir, et du coup j'ai le système digestif patraque. Alors du coup je suis... Oui, merci la Razmoquette. Je suis un peu... Enfin, ouais, je suis barbouillé. Excusez-moi. Ok. Non, attends, je vais prendre plus de nourriture. J'ai pas assez de nourriture avant de repartir. On peut tuer le poisson avec la lance. Lequel poisson? Le poisson avec sa lumière, là. Sa petite. Ah, oui. Ouais. C'est le... Alors, attends. Le poisson des abysses. Ouais. Ah, attends, il faut que je retrouve déjà le chemin. Voilà. Alors, viens là, poisson de mes deux, je t'ai vu. Mais, putain, la caméra de mes... Fais chier, allez bien. Qu'est-ce que t'attends, là? Bon, allez, je vais prendre un bras le corps. Merci. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et ça va être le côté opposé, chien. Mon dieu, non. Putain de poisson. Alors. Oh, il y a encore mais non, mais je suis un idiot. Attends, il faut que je cours. Il y a encore un entrepôt avec du gaz dedans, mais. Je suis pas logique. Encore un poisson là-bas. Il va falloir bon. Que je mange et que je me régénère un bon coup. Voilà, là c'est logique. Les nouveaux raffineurs de carburant sont en place et sont en marche. Merde, Mystique, une nouvelle fois. Allez, vas-y, let's go.
Oh merde. Ça y est, j'adore hop. Ça. Ah, c'est bon, je vois la surface. Il n'y a pas de carte où on est quand on appuie sur T, non. Non. Ouf, j'ai la moitié bon. qui est moulue un étage en dessous. C'est rigolo. Oh, un giton. Wouhou, je suis riche. Oh, je suis riche. 17 plumes, j'ai deux moitiés. Ça va direct dans le compacteur à déchets. J'ai ouais, parce qu'on en garde un, on en a un stack en réserve si on a besoin des plumes. Puis, ah, reste, je suis riche, dans jeton, la semaine, Capito, ce sera soirée nuggets. Mmh. Oh, ça super. Bah écoute, on y retourne, le sage. Ah oui, volontiers, Capito. Attends, je vois un peu, je refais le 1. Je me sens pas. Merde, j'ai perdu le but de Capitoun. Je l'avais vu il y a deux secondes. Oh mon dieu. Ah, il est pas sur le dessus. Oh. Je suis là. Henri et moi, nous avons fini. Normalement, ce garçon n'avait pas effrayé dans le coma. Il s'appelle Deto. Il dit qu'il est arrivé avec d'autres survivants. J'ai demandé à Henri si je pouvais faire confiance au garçon. Il n'a pas répondu. Je vais boire à fond et recharger ma gourde avant de partir. Ah bah oui. Vous savez par où vous êtes parti C'est bon, Capitaine. Stella est en retard. Moi, je suis toujours où il y a les dômes. Ben moi, je suis dans le nouveau truc, là. Et là où mais t'es pas, par rapport à la ville, t'es parti sur la droite ou sur la gauche? Ah punaise, je sais plus. Je pourrais pas te dire. Attends, bon là j'ai ouvert la porte, donc de toute façon maintenant on peut entrer, c'est bon. J'arrive, je vais essayer de faire le tour. Voilà, on est arrivé au dôme. Ah, Mickey. Attends, moi faut que je rectifie une ânerie parce que j'ai garé le motoneige en hauteur. Alors que vous le truc est là. Où est-ce que je suis allé? Moi, garer le motoneige. Je suis allé dans le truc, je récupère un lingot de titane, du biocarburant, mais il y a encore des pièces à visiter, mais bon, faut que je reprenne un peu de vie. Je crois que c'est le seul moyen d'y aller, hein, les pièces. Mais non, c'est pas le seul moyen. Bah si, il faut y aller, perdre un petit peu de vie et puis revenir. Il y a encore un autre endroit. Mais pour l'instant. C'est ce que vous essayez de faire maintenant, un truc qu'il faut faire plus tard. C'est... Comme ton retard, je sais pas où il est parti. Mais déjà, je me cherche moi-même. C'était. Mon retard est en introspection. Ah, mais est-ce que vous voyez. L'usine avec les deux barres là, enfin les lumières. Vous partez en direction de l'usine. Alors Capitaine, ouais, ouais. Priorité à vous droite. Allez pouvoir me rejoindre. Fallait que je la fasse. Juste. On va pouvoir y aller ensemble. J'ai retrouvé l'usine, donc si vous pouvez. Hop. Je suis là à l'usine, hein, juste à côté. À l'entrée. Ah mais vous passez juste devant moi là. Je sais pas qui vient de passer. Là où je te vois avec ta tête de d'ours blanc. Ouais. Attention. Moi je suis l'imbécile avec le motoneige. C'est vrai que ça donne envie de faire la course. Mais je sais pas. Bon, ah mais si je vous vois. Ok, là. Alors c'était par là. Ah bon. La vache. Aïe. C'est Mario Kart. Qui est une peau de banane? Ah oui. Oh, je t'ai vu renverser ton retard. Pidu. Allez. Je sais pas qui c'est qui avait la peau de banane, mais c'est ton retard qui l'a prise. Hein. C'est ça. C'est la banane, c'est la banane. Couille. Aïe. Aïe. C'est là. Alors attention, quand je suis passé, ben voilà ce qui s'est passé. Je suis tombé dedans là. Donc il va falloir passer sur le côté. Ah oui, ça a bien fondu là. Oula.
Oh, c'est génial. Attends, vous êtes dans un, vous êtes près d'un bâtiment avec une un trou devant, c'est ça? Oui. Oui. J'adore l'ambiance, l'atmosphère. Je dis ça à chaque fois, mais vraiment. C'est... Alors, bien. J'ai commencé déjà à fouiller, très fouiller. J'ai pas tout bien trouvé encore, donc. Ah oui, je confirme. C'est beau. Donc, ils sont par là-bas. Mais méfie des gobelets. Je soupçonne un jeton dedans. Par-dessus, en couvercle. Ah, j'ai plus d'eau, au secours. Oh oh. Ah, il y a un coffre. Quelqu'un lui prête sa gourde. C'est ça. Je suis tout en haut. Oui, attends, ouais. Je vais te rejoindre. J'ai préparé deux gourdes sur le bon conseil de Christella. Oh, merci, tiens, mon brave. J'espère que tu vas la récupérer remplie. Mais j'ai plus de place. Chier. Ah bah attends, j'ai pas un truc. J'ai plein de place, moi. Voilà, j'ai récupéré les cordes. Y a pas de cochis. Merci beaucoup. Y a pas de cochis. Oh ! Ah ouais, trop bien le télescope. Le Mundi Model 8. Hop, tiens, je te rends la gourde. Hop, merci beaucoup. Ah bah, j'en prie. Alors là, j'ai... fouiller, là je pense qu'il y aura juste ici. Hop. Ah, mais attends, il y a un code. 8 en short 8. Hop, une note ici. En short 8, là il y a un 2 sur la flèche. Le code du coffre à tous les coups. 8, 2. Ah, une note. Oh, il y a une autre image. Oh, coucou Henri. Ah, c'est comment ça va? Le bateau est prêt à partir. Henri va rester ici à séparation et d'où sa mère. Il ne parle plus. Je crois qu'il vaut mieux que l'un de nous reste en arrière. Détends la parler d'un autre endroit très peuplé. Ruben dit qu'Astrid s'y trouve peut-être. En tout cas, elle ne peut pas être ici. Il fait trop froid. C'est agréable d'avoir des gens à qui parler. 8, 2, je vais fouiller en dessous, voir s'il n'y a pas d'autres chiffres. Bon, bah, c'est l'épiphanie. On a sur le télescope, sur l'écran, on a la constellation 8. Du roi de la galette. Alors, attends. Il y a la colonne qui est dessinée dessus. Pas autre chose, hein, bande de. D'accord. Je viens de comprendre. Ok, 8. Retenez bien 8, 2, 3. En haut, il n'y a pas de chiffres. Si, 8, 2, 3. 7. Ah oui. Il faut trouver dans l'ordre. 8, 2, 3, 7, c'est le nombre en fait d'étoiles qui est sur chaque. Ça marche pas, 8, 2, 3, 7. Eh bien, il va falloir qu'on le trouve dans l'ordre. Ah. Il faut garder l'ordre par rapport aux constellations. Sur le. Dans le. Ah oui, normalement, t'as tous les indices pour faire comme il faut. Alors. 8. Où est-ce qu'on descend? Vous avez trouvé des schémas ici ou pas? Non. Je sais plus s'il y en a. Non, capitaine. On n'a rien pour l'ingénierie. Alors, attends, 8, 2. C'est quoi, c'est bizarre. 8. Ouais, je comprends pas. Attends. Faisons ça logiquement. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé leur carnet un peu? Ah non, c'est vrai. Non. Bonne idée, Capitoun. Qu'avons-nous pris en note? Moi, j'ai pris aucune note, hein, je vous ai laissé tout faire. Nous sommes à Temparence. Oh. Ah, c'est d'abord la constellation du Nuggets, là, de la volaille. La constellation de la volaille. C'est quel chiffre rattaché à la volaille, s'il vous plaît? 7. Ah, le piaf, tu veux dire. Ah, attends, je commence par ça. Donc, c'est 7. Ensuite, c'est le poisson globe. Ou l'espèce de mine flottante. Non, c'est un poisson globe.
Oui, mais Alors, sur attends. l'affiche, c'est le requin. Ah. Il y a Oui, trois mais jours. il faut chercher dans les Non, mais constellations. faut pas chercher sur les affiches. Le poisson globe. Avec la petite queue derrière, là, Ouais. où... Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5. D'accord. Ensuite, c'est le crochet qui nous permet de choper les trucs en mer, les tonneaux et ce qu'il y a dans les fonds Alors. marins. Le bon crochet de qualité 2, hein, visiblement, j'ai l'impression. Attends, je vérifie mon inventaire. Oh non, 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 qualité 1 aussi. Non, non, oui, non, j'ai c'est le crochet. Oh, yop, cousin, bisous, cousin Rio. Ah, le poisson globe. Tu parlais du poisson globe. C'est quoi? C'est une boule avec une Non. petite antenne dessus ou Re l'autre? re regarde ton carnet rapidement, Torota, tu vas voir les formes. Ouais. La page Ah. 36. Et le quatrième, Donc. c'est un rafio, un petit radeau. De celui de départ, mais avec une voile. Un, le piaf, deux, c'est celui-là, donc je vois. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc 7, 5 et Donc, puis... non. Alors attends, du coup, je me plante. Bon, on va faire la Parce qu'il combinaison. faut trouver le piaf déjà. Attends, juste au-dessus, t'avais le bateau, non? Ouais, donc le dernier chiffre, c'est 4. 4. 4, c'est le dernier. D'accord. 8. Non, j'allais dire essayer de faire la combinaison qui était là. Non, ça, c'est rien. Waouh, on voit que ça s'est assombri à la nuit. Ça, c'est le crochet, donc 2, 4, 6, le crochet. Décale un peu sur la droite, non? Non, c'est bon. Et le crochet, c'était le troisième. Oh. Le piaf, donc 2, 4, 5. Enfin, pour moi, c'est un piaf, à moins que je me plante. Non, si, c'est ça. Ils vont voir ma lune. Donc, je crois qu'on est bon, non? On n'a pas... Mais t'avais trouvé le poisson... Le poisson globe. La tête, là, ouais, le poisson globe. Le poisson globe, je crois qu'elle était là. C'est pas de l'autre juste au-dessus, là. Ouais. 2, 4, 6, 8, 9. Si, c'est celui-là. Donc, voilà. Donc Donc, normalement ça ça fait fait... 5, 9, 4. Regardez le chat, en jeu, je veux dire. Vas-y, le sage, si tu veux le faire. Je vous Ah les ai oui. notés. Donc, je vous écoute. 5, 9, 6, 52. 4. 5, 9, 6, 4. Oh, bien joué. On peut se Plein de jetons servir. là-dedans. Ah oui, il y a plein de jetons. Ah bah voilà, il y a un plan Capitoun. Ancre attachée avancée. Eh ben Ah, voilà. voilà. Comme ça, Je tu prends pourras les quilles commander qui me l'ancre viennent. depuis la barre de retard. Oh, Magnifique. énorme. Bon, et eh ben voilà. Hop, et eh ben on peut. Est-ce qu'on a tout bien trouvé? Ouais, si vous voulez, comme tout à l'heure, je récupère tout votre stuff, je retourne au bateau. Je peux même récupérer les gourdes vides pour les remplir si vous voulez. Ah Yes, je veux bien. Attends, on va se mettre en bas. Hop. Voilà ma gourde vide. Par contre, je peux te donner ça. Et ça, je te donne le plus important, juste. Je vais faire un aller-retour avec toi parce que j'ai quelques trucs. Comme ça, je vais reprendre un peu de... Mais dans ce cas-là, jetez tout ce que vous avez à jeter et moi et Christella, on va se débrouiller pour porter. Hop, 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 hop,
Allez, vas-y. C'est pire que l'Amazon, là, tous les colis. T'avais encore une tête d'ours sur toi, normal. Oui, normal, voilà. Hop, je commence à crever de soif. Attends, je vais boire de la neige. Merci beaucoup. Et tu me la rends, et puis comme ça, je vais aller tout remplir. Bois tout, mets-toi fou, là. Et voilà, merci beaucoup. On y va, Christella ? Allez, on y va. Alors, on essaie de pas tomber dans le trou, ça évitera les problèmes. Donc, du coup, on va pouvoir retourner dans l'usine où on était tout à l'heure, où il y avait besoin de cette clé. D'accord. Une fois qu'on aura ouvert la porte, on attendra Christella et petit Seb, comme ça, au moins, on va pouvoir... Capitoune, quand la mission aussi sera finie, on pourra faire une bataille de boules de neige. Ah bah, quand tu veux. Pitié, achevez-le avec les boules de neige. Pardon. Non, mais par contre... Un bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. Un bonhomme de sage. Attends, c'est une chose. Alors attends, hop, c'était par là, voilà. Non mais par contre, après, si tu veux faire une nouvelle série, on peut faire la marche de l'empereur avec le sage. Ah, excellent. C'est vrai que c'est pas évident de maîtriser le chasse-neige. Oh, moi je l'ai planté, allez, c'est bon, ça me saoule. Chasse-neige. Attends, moi je sais même plus de quel côté... T'es parti dans le mauvais sens, je crois bien. Ah, mais c'est qu'on voit rien. Il fait nuit, on voit rien. Oh ! Merde ! Oh, le pauvre Nayonet ! Il dit catastrophe. J'ai bousillé mon clavier en renversant un mug complet décaféiné dessus. Oh ! Oh. Il a plus de pupitre voilà. De contrôle. C'est pour ça qu'il faut pas boire et pas manger au-dessus de son PC. C'est vrai. La bouteille d'eau à côté pour boire. Oh, la boulette ! Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, j'ai l'impression d'être dans Deus Ex tout d'un coup là. Oh, moi je suis revenu au dôme. Ouah. Oh, mon dieu. C'est quoi ces horreurs en bas? Alors là par contre je me crois dans Fallout. Il y a des espèces vous de avez rencontré des nouveaux copains. On a appelé Sparrow. Si vous me lisez, sachez que j'agis dans la taille de l'humanité toujours. J'ai été envoyé à Selene avec deux collègues. J'ai découvert que l'un d'entre eux avait fait une taupe. Quoi ? Était une taupe au service des investisseurs. Si j'avais laissé atteindre Selene, j'aurais mis une source infinie d'énergie vaste entre les mains des personnes qui sont à l'origine même de tout ce chaos. Ah, on apprend un truc. Mon autre collègue, je l'ai abandonné. Je ne te faisais pas confiance au coup. D'accord. Si je pouvais pas, c'était trop risqué. J'espère que tu sauras me pardonner. D'ailleurs, est-ce que l'un de vous deux pourra me faire une lance, s'il vous plaît, ou une machette, parce que ils sont bientôt... Oui, ils sont balèzes. Coucou. La mienne de... Enfin, attends, moi j'ai deux armes. Oh mon dieu, tu me fais peur. J'ai cru qu'il y avait un intrus dans l'équipe. Parce que moi j'ai une deuxième lance, mais j'ai ma machette qui va bientôt péter. Enfin bref. Moi, ça y est, ah ouais, d'accord. Attends, l'enfile pas de suite, hein. Ah je bon, te d'accord. Dis parce qu'il y a une certaine durée. Ah merde, d'accord. Bon, je te laisse opérer déjà. Non, mais je préfère. Je vais pas me lancer maintenant. La moitié est passée déjà. On va éviter de crever et tout comme une merde. Une barre de contrôle, deux barres de contrôle et trois barres de contrôle. Là, pareil, laboratoire. La porte est verrouillée de l'autre côté pour le laboratoire numéro 1. Bon, allez, je vais y aller. Je vais me sacrifier. Let's go. À tout de suite. J'ai oublié un truc, bien évidemment. C'est une barre de contrôle.
ça va stopper le truc. D'accord. Ah non, c'est bon. Ok, let's go. Merde, il y a un dysfonctionnement. Oh là 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 là. Ok, donc apparemment, il faut qu'on zigouille tous les ennemis dans les sous-sols. Il y a dysfonctionnement dans la salle de contrôle où je suis, là où on est arrivé. Il y a un dysfonctionnement et des radiations nucléaires dans la chambre cryogénique à l'étage inférieur. Et pareil, un peu plus loin, en sous-sol, dans les tunnels. Eh ben. Mon Dieu, mais le coup des gaz, c'était pas des gaz, en fait, ou peut-être, mais c'est lié aux radiations. Vous êtes probablement irradiés, en fait. Quelle horreur. On aurait un compteur Gégène sur nous, il serait complètement en mode discothèque affolé. Ça craint. Oh, d'accord, ok. Ah oui, ok. Je viens de capter le truc. Alors. 5. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans la salle de contrôle ou j'en fais? Ouais. Reste. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste que je vais revenir me remettre une combine. Parce que là. Bon, je te laisse gérer. Hop. Les combis, vous pouvez reprendre à l'infini, je crois, non? Oui. Ah bon? Mais si tu veux, après tu peux venir, hein, le sage. Il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, si c'est ça que tu. Appréhende, oui. Mercredi, RB. Oh, vous de Dieu. Alors attends, je n'ai pas tout trouvé. Hop. Ah, et puis je dis, l'île est tellement grande, tu pourrais passer 20 minutes à faire le tour même en jet ski avant de trouver le bateau si t'es parti du mauvais côté et que t'étais juste à côté à la base. Hein. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Il n'y a rien pour se repérer. Hop, je remonte. Est-ce que tu aurais un petit peu de nourriture ou pas, le sage, sur toi? Ah oui. Tu préfères quoi, des légumes ou de la viande? Oh, peu importe. Oh, il y avait un jeton. Tant que ça se mange et que ça me permet de survivre. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, il va falloir me traîner, trouver le rafio. On se croirait dans Rust, c'est exactement la même combinaison. Merci beaucoup. L'eau, ça va, Dorota? L'eau, ça va, je te remercie. Attends, hop. Tant qu'on y est, renouvelle-toi ta combinaison, comme ça sera fait. Oui. Alors, il faut que je cherche. Alors. Ouais, alors, ça, je vais le stocker là. Bon, j'ai fait la nouvelle ancre, mais je la stocke. Je veux pas retirer l'ancienne tout de suite, de peur que le bateau dérive un peu pendant que vous êtes pas là. Ah, mais il y en a deux semaines. Ah, mais voilà. Donc. Celui-là, j'ai le code. Ah, il va me falloir ton aide, le sage. Ah, faut faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour l'instant, rien. Au secours, Non, mais c'est rien, ça va pas péter. Mais en fait, tu es sur ça, donc tu bougeras pas. Le code, quand je te le dirai, ça sera 37. D'accord. Pas pété. Non. Enfin, j'espère pas. PM. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, attends, je remonte, j'ai ma combi à rechanger. Bon, bah, je vais donc faire pareil parce que ma combi pareil. A flambé aussi. Merde, c'était quelle porte? J'ai pas mémorisé. Non, c'était pas là, je suis jamais allé là. Ah non, c'était là. Aïe, 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 aïe.
Donc, on en a un, c'est 37. PM, 61. Donc, là-bas, donc, dans, sur cette machine, ça sera 37. Attends. Donc, l'autre, c'est 61. Celui-là, c'est 61. Et le dernier, CI. CI. 67, 60. Ah, il est où le CI? On va plus trop avoir de problème de carburant. Hein. Alors. Bah là, les deux nouveaux fabricants de carburant, ils sont pleins, ils sont chargés pour en faire autant. Et toutes les réserves sont pleines. Oh là là, c'est merveilleux. Et puis il faut recharger encore une fois la combinaison. Ah oui, merde, déjà. Mon dieu. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre que je n'ai pas vu ici? 37, allez. 60. Je prends deux plats de plus pour vous. 37, 60. 37, 60. Tu t'en sors, Christelle? Bah, je fais le tour, je sais pas où je suis. C'est vraiment. 37, c'est chiant par rapport de repère. 60. Pas de boussole, ni rien. Je fais tout le tour, j'ai bien arrivé à avoir un bateau au bout d'un moment. Je me demande s'il n'y a pas un moyen de mettre un truc sur le bateau et de repérer sa position. Donc, bah, du coup... En fait, il aurait fallu le déplacer vers un endroit, tu sais, où il y a des trucs un peu plus enneigés, parce que là, la banquise, elle est tellement grande que... 17. Et 37, pas, la banquise, 60, fait 17. Ah, alors, ouais. Le sage, tu peux faire le 37. 37. Il reste 24 secondes. 60, c'est fait, je l'ai marqué. Et normalement, c'est 17. Et normalement, ça devrait déverrouiller quelque chose. Ah. On a tapé les trois. Est-ce qu'il y en a un qu'on aurait oublié? Je vais aller regarder si ça n'a pas déverrouillé quelque chose dans la salle de contrôle. De toute façon, il faut que je change ma commune. Ça, il faut une clé. Hop. Eh bien, ou tu restes là et je vais vérifier. Ça va mal. Je vais y aller. Bonjour, la Jed. Meilleur vœu, hein. Santé, bonheur, prospérité pour toi, la Jed. C'est vrai que je t'avais pas vu cette semaine avec... Hop, je redéverrouille et tu me dis... 37. Attends, j'ai remis une combinaison. Mais j'ai rien vu de déverrouillé. Mais en haut. Mais parce que le temps qu'on y était allé... Et... Je refais 37. Ça y est, c'est noté, tout est noté, ça a été validé. Ouais. Mais après, il faut valider peut-être en haut, je sais pas. Ah, alors je vais rester en haut, pardon, merde. J'avais pas compris. Ah non. Ça y est, ça s'est éteint. Attends. Oh putain, je vais être en manque d'eau. En fait, t'aurais peut-être mieux fait que c'était là de rechercher la ville. Et j'y suis allé, mais là je suis en. Je vais être en manque d'eau, le sage. Je vois pas la banquise, mais comme j'ai pas de visibilité, je vois pas. La ville, t'es sorti de quel côté de la ville? En sortant de la ville, t'es passé à droite ou à gauche? Merci beaucoup. Je pourrais pas dire. J'ai l'impression d'avoir fait déjà tout le tour à pied. Hop. Tiens, merci comme beaucoup. Il est collé assez loin sur la banquise. 37, 60, 17. Je vais voir. Le sage, est-ce que tu peux rester devant cette porte? Parce que c'est peut-être cette porte que j'aurais déverrouillée. Ah, tu m'as dit. Peut-être que ça va être ça. 37. Ah, c'est pas 60, c'est pour ça que c'est... Eh, ma merde, je me plante, c'est pas 60, c'est combien? C'est plein de mystères, cette mission, c'est fabuleux. Dis-moi qu'il y a un jet qui te respawn. C'est 61, ok, je me suis planté de 1. Attends, on peut remonter. J'ai
37, 61, 17. Putain, j'ai 2 de QI, le petit taureau. Allez, 37, 61, 17. Let's go, je me dépêche. Putain, 37. Soixante et un et le 17 et le numéro complémentaire le 17 et c'est bon, la porte est ouverte. Ah bon, enfin, pas celle à laquelle j'ai fait face. Hop là, attends, on va pouvoir remonter et se rechanger le truc si tu veux. Enfin, ouais. En fait, là où on était tout à l'heure avec les ordinateurs pour mettre les codes, on peut aller tout droit maintenant parce qu'il y a la porte qui s'est déverrouillée. Oui, et il n'y a plus de radiation, donc j'ai plus besoin de combinaison. Ah ben voilà, ok, ben nickel. Donc on va pouvoir avancer, du coup. Ça y est, je vois le bateau. Putain, j'ai bien fait tout. Hop. Il y a des choses. Oh, j'ai gagné un filet fauchoir. Oh, le truc qu'on a même alors, besoin, attends. On en a 4. Petite barre de contrôle, elles sont pas petites. Magette, on dirait un extincteur. Ah, ici, il y a plein de choses à récupérer. Non, je suis arrivé à la centrale, vous êtes où? Hop. Eh bien, on est descendu, j'ai ouvert donc le portail. Ah ben tiens, le sage, il y aura encore un truc de combinaison. Oui, oui. Ah ben vas-y. Je regarde. Donc, vous avez trouvé une barre de contrôle, il nous en faut de plus. Vous êtes descendu laboratoire 2 avec le... Ouais. Ah, il y a une valve. Hop, je te suis, je te cherche, non, le singe. Non, au secours, il y a un monstre qui m'attaque. Oh, on est cerné. On dirait des tiques, mais quelle horreur. C'est bon, il y en a... Merde. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est que ces erreurs? On peut récupérer quoi dessus? Je comprends pas. Non, j'ai l'impression qu'il y a rien. Ah, c'est de la viande crue, je veux dire qu'elle se mange. Oui, tu fais pivoter, Torota? Ouais. Ah oui, t'ouvres un sas. Merde, t'as été dérangé dans la phase de... Non, non, non. Vas-y, si tu dois passer, tu peux. J'essaye. Non, c'est beaucoup trop fort, je peux même pas passer ma main. Ah, c'est déjà mieux, je pourrais pas se passer ma tête, mais j'ai pas envie de tenter la décapitation. Je continue. Ne lâche pas, je vais essayer de passer. Ah, c'est bon, je passe. Oh, ok, renouvelle-toi d'abord ta tenue parce que... Oh merde, mon dieu, t'as raison. Au secours! Au secours! Ah, j'ai oublié. Oh, c'est vrai, ça brûle. Hein? Oh, merde. Ah, allez, que le... Vous saurez que pour la fête nationale, je pourrais m'amuser à faire la fontaine. Je commence à faire pipi fluorescent. On va l'encimenter pour qu'il fasse la fontaine. On commencera par la bouche. Oh putain, vas-y, let's go. Ouais, deuxième barre de contrôle. Mon dieu, les cochonneries. Oh. Ah... Monsieur Torota, il pense à régénérer sa... Oh, les gars, ah. Oh. Bon, on a eu un peu un effet Resident Evil, là, le film. Le il faudrait que tu t'abaisses, le sage. Oui, je crois. Je me suis fait les conseillé de rester baissé ici, effectivement. Oh, alors, voyons. Donc du coup, il faut le faire, si il faut que ça doit arriver ici là sur le truc.
Donc, la seule chose qui serait à faire bouger, c'est celui-là. Mais pour faire changer ça... Je récupère ça pendant ce temps qu'ils font les imbéciles. Hop, tu me dis parce que je vois pas. Alors, attends. Parce qu'il faut que le faisceau rouge arrive du côté du point rouge, là. Ah oui, faire péter le, ouais, le système. Alors, là, j'ai rien, Torota. Ah, j'avais quelque chose de pas mal. Non, là, t'es trop sur la porte. Il faudrait aller plus sur la droite. Comme ça? Non, j'ai rien. Alors, c'est bizarre, je vois très rarement le laser. Normalement, hop, il faudrait que je vise à peu près comme ça. Ça fait ça, ça, ça. Alors, merde. Donc si c'est pas comme ça, peut-être comme ça. Oh, tu y étais presque. Ah. Un petit peu sur la gauche. Encore. Encore. Ne bouge plus. Ah, ça a surchauffé, bien joué. Hop là. Eh bien, qu'est-ce que c'est ici? C'est la guerre. Attention, baisse-toi, le singe, ça va être la même chose. Ah bon? Ouais. Ah, hop mon Dieu. Là. Faut pivoter des trucs. Alors, on est reparti. Ah, là, ça va, on peut se baisser. Mais je cherche le point pour faire cramer, du coup. Ambiance discothèque. Di, 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 di. Oh putain. Di, 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 di. Hop, hop. Alors, bougez pas trop le truc, parce que là, il va falloir que je cherche ce qui est à faire cramer, surtout. Ah, ok, il est là, le point. Je sais pas où tu es, le sage. Faites pas. Ok. C'est quoi le point à faire cuire? Ici, là. Ouais, je vois pas. Tu me dis gauche, droite. Mais à ta gauche. Tout au bout, là. Voilà. Là où je suis. À ta droite. Voilà. Mmh, ouais, mais là, il n'arrivera pas à passer. Hein. Le sage. Youhou. Ah, c'est petit Seb. T'es où? Au secours. Hop, c'est ici que je vais faire cramer. Bah, hop, là, je vais juste... Ah, tu es là. Attends, là, je vais changer la combi. Hein. C'est toujours la même chose. Ah oui, moi aussi, merde. Au secours, tu as raison. On reste accroupi. Alors, il va falloir que je fasse... tourner ces trucs. Mais elle est où la cible? Attends. Aïe, 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 ça pique. Ah, ouais, ouais, reste bien. Oui, oui, croupier, 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 j'ai compris. Et si je trouve tous les jetons, je deviendrai croupier. Voilà. Allez, let's go. Attention, je fais tourner le truc. Hein. Ah, ben vas-y alors. Non, on pourra pas le faire aller plus que ça en fait. Non, c'est pas le c'est pas le bon angle. Ouais. Ouais, normal. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Hop, le stage, baisse-toi. Je me baisse. Ah oui. Il y a un truc là. Ah oui. Ouais, mais c'est juste que ça touche pas, donc il va falloir que je rebouge un petit peu. Attends. J'ai un petit punaise. Problème d'orientation. Pourquoi ça faites attention à votre combi. Ouais, ouais. Ah oui. Aïe. Level up pour Christelle, Nayone, Bounde et Rioli. Coucou le cousin. Du sage, comment vas-tu?
J'ai entendu le sage se faire un petit peu cramer. Bon, je sais une nouvelle méthode d'épilation. C'est à Hop, alors. Pas mal ça. Ah, je peux plus courir parce que j'ai faim. Mangeons dans le gaz. Ah, d'ailleurs, j'ai ta gourde et j'ai de la bouffe en rab. Ah oui, merci. Hop, je suis là. À ta gauche, petit sable. Derrière toi. Attends. Il fait du Mario, le petit Seb. Mais j'ai trop joué à Super Mario RPG, c'est pour ça. Hop, ta combinaison. Viens faire ta combinaison et je te lâche les objets. Ouais. Merci. Hop là. Et let's go. Let's go to the party. Ah, c'est ça la cible. Et c'est pour ça. Je peux essayer un truc? Oui. Vas-y. On va tenter quelque chose qui est pipoune. J'aime bien les jeux de logique. Non, de ce côté-là, ça passe pas. C'est rigolo. C'est pas trop compliqué. Avec les lasers, on dirait Half-Life. Oui, ouais, aussi. C'est vrai. Ouais, bonne référence. Je valide. Ouais, ça peut pas faire tourner les miroirs qui sont à l'intérieur. Non, il faut que tu fasses tourner que sur celui-là où je suis. Attends, le sage reste bien. Hop, alors bouge pas. Il faudrait que tu décales un petit peu le petit Seb. Par là? Ou par là? Ouais. Alors attends. C'était pas mal. On avait un truc. Il y avait quelque chose. Mal. Top. Non. Pourquoi c'est pas stable? Il faudrait encore un petit peu, petit Seb. Oui. Et toi, si tu le tournes? Non, moi, il se passe rien. Non, mais si je tourne... Oh merde, j'ai plus de combinaison. Dans l'autre sens. Ah, j'ai plus de combi. Hop, je vais rebouger un peu. Le sage, tu m'as dit si ça touche ou pas. Attention. Est-ce que ça... Non, mais en fait, si tu décales toi, Torota, d'accord, ça décale sur moi et donc ça décale tout. Ah, c'était pas mal. Il y avait quelque chose, il y avait un début. Ouais, mais là, je peux pas aller plus loin. Donc ça va pas, faut que tu bouges le tien. Ah, toi. On n'a pas la bonne combinaison, alors, de réflexion. Tu veux que je redécale vers où, là? Ouais, comme ça. Bon, ben voilà. Et là, encore le sage, t'as tu touché, peux le faire encore? Ouais. Donc, j'essaie, mais j'ai rien. Ah, non, c'était pas bon. Waouh, c'est pas évident. Hop, là, je suis vraiment à l'angle. Ouais, mais c'est intéressant. Je me demande si vous ne devez pas manier un autre miroir, en fait, un des premiers qu'on a manipulé. Pour qu'on gagne de l'angle, de l'amplitude sur les derniers. Mais en fait, on est en train de tous les faire en même temps, le sage, pour justement étalonner. Ah oui, c'est du coup. Rota est sur le premier, moi je suis sur le deuxième. Pensez à votre combinaison, ouais. Mais là, si j'arrive à toucher cet angle-là, peut-être que l'angle qui va être fait. Ah, combinaison. On te l'a dit, hein. Attends, j'ai trouvé. Encore loin, Christella? J'ai trouvé pour toucher. Et là. J'ai. Ouais, mais là, on peut pas aller de l'autre. Ah. Dommage. Ouais, ça y est, j'ai compris le chemin. Putain, vu l'angle, ça a été pas mal pourtant.
T'es dans la... dans l'usine, Christella? Je vais arriver, faut que je trouve un jet ski, voilà. En fait, ouais, j'ai repéré le chemin plus facile pour aller au bateau. Ah, bonjour, Aerostar. Oh, coucou, Aerostar. Comment vas-tu? Salut, Aerostar. Comment vas-tu, l'ami? Ici, c'est un peu casse-noix. Alors, moi, un peu barbouillé, mais sinon, ça va, Aerostar. Petit souci digestif. J'ai mangé trop cuit hier soir. Ça va et vous? Ça va, ça va. Merci beaucoup. Non, par contre, je peux me vanter d'avoir très bien dormi et ça m'a fait un bien fou. J'ai déjà récupéré de ma fatigue de la semaine et ça fait du bien. C'est quoi ce reflet là que j'ai? Coucou. Oh, attends. Tiens, c'est... prends la tienne. Moi aussi j'en reprends une. Non. Tu. Avec les combinaisons, vous êtes pas allé dans les autres entrepôts? Ah, tu peux pas, regarde le temps qu'on a. Ah, il y a un temps. Bon, tu peux fouiller si tu veux, mais. Hop, tu vois, allez, on trouve encore des trucs. Et là, on est safe. T'as vu les jolies bestioles? Oh, lui, c'est Half-Life, là, plutôt. Ça me fait penser que j'avais pas d'âme pour toi, mais j'ai une lance en rap qui est un peu utilisée, j'aurais pu t'affiler. Hop. Mais en fait, vous étiez de faire quoi, là? Tu vas voir, recharge ta combinaison avant de descendre. C'est une histoire d'angle, c'est chiant. Parce que si je faisais comme ça, donc effectivement... Bien avoir galéré à le faire aussi sur un con que j'ai fait. Là, il s'amuse avec des lasers. Mais bon, c'est pas celui-là, il est fait, Christelle. C'est celui d'après. Parce que le problème de celui d'après, c'est qu'il est dans le gaz. Mais en fait, le laser, il doit aller... Il doit aller à gauche, là. Il doit atteindre le boîtier ici, pour ouvrir la porte. Enfin, pour péter le boîtier, pour ouvrir la porte. Alors, attends. Voyons. En fait, c'est lui qu'il faut tourner, là. Ouais, mais faut pour... Oui, mais faut arriver à l'envoyer correctement. C'est ça. Et lui peut pas bouger d'angle, donc ça veut dire que... Ah, mais attends. C'est parce qu'il y a d'autres miroirs. Putain, oui. Il faudrait s'occuper des autres miroirs. Donc du coup, ça veut pas dire force. Oui, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, mais ça arrive derrière, ça arrive pas jusque... Aïe, voilà. Ça arrive pas jusqu'au miroir. Alors, je vais faire des essais. Accroupissez-vous, par contre, parce que... Et le premier miroir, lui, il va que tout droit. Le laser, il est fixe, ouais. Hop. Donc, il faudrait que ça touche... Hop, Ah merde, j'ai plus de combi. Moi non plus, merde. Ouais, c'est pour ça qu'il faut rester bien accroupi. Groupir aussi. Donc. Allez.
passage s'est condamné. Donc ça peut pas être ici. Et si c'est celui-là. Je peux essayer un truc ? Ben vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, je t'en prie. Hop. Comment ça marche le truc ? Parce que comme je l'ai fait avec ici, ah, ouais, okay. Il est arrivé par là. Mmh. Ah, mais... Oui, d'accord. Attends. Si, si. T'as un truc, la piste, là. Ouais, sauf que ça touche rien du tout. Et si tu touchais sur l'un des deux miroirs, là, à ta gauche, Christella ? Non, parce que t'as vu qu'il y a des... Parce qu'on n'a pas ici... Ouais. Faites attention à votre combinaison. Que là-bas, il peut pas y aller. Mais justement, avec les reflets, je pense que ça pourrait le faire. Et on a perdu le sage. Le sage, il fait quoi ? Je suis revenu à la salle de contrôle. Je vais rechercher de la nourriture et du... Attention, baisse pas, Christella. Non, mais fallait le dire, j'en avais. Ah. Ah ben non, d'accord, ok. On peut... Premier, ça marche pas. Attends, j'essaye un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Aïe que... Et voilà. Lui, il reflète. J'ai pas demandé une épilation laser. Non, non, là tu touches rien. Ah, quoique. Ah, il faudrait que je touche. Mais oui, mais non, si l'autre miroir revient là, non. Ah, putain, attends. Alors, voyons. Ah. Je bois aussi. Hein. Déplacer, non, rien... non, non, ah, c'est pas évident de se repérer. C'est vrai que c'est grand endroit. Le rayon il doit arriver où à l'arrivée à la porte? À la porte qui est là-bas, ouais. À gauche de la porte sur le vers le petit point rouge là. Ici. Donc il peut pas il faut se faire là, mais... il faut qu'il revienne automatiquement. Par... Attention que c'est là. Ah, c'est pas facile. On se croirait dans Rust. C'est incroyable le truc. Qu'est-ce que je vois ? Ah non, c'est un reflet du phare sur de la glace. Ah, puis après c'est trop loin. Combinaison ! Oh, c'est quoi ce tunnel? C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Ah, c'était là. Attends, attends, j'ai un truc là. J'ai un truc. Oui, mais non, ça arrivera pas trop tard. On a essayé déjà plusieurs fois. Même toi, tu l'as déjà fait tout à l'heure. À force, on finit par refaire les mêmes trucs en se disant c'est bon, j'ai quelque chose. Salut Lynn. Comment vas-tu? Bonjour Lynn. Bonjour Lynn. Moi, je propose qu'on sorte de la dynamite. Ça ira plus vite.
C'est de la dynamite, oh Romantine. Et je me mets dans le coin là, voilà, je regarde le mur là, la belle couleur orange. Attention, je bouge. C'est la fête de ce soir. Voilà. Bah, je vais re-essayer un truc. 8. Ah non. Ah, si. T'as quelque chose. Et il est pas tout à fait. Alors attends. Il aurait dû aller un peu plus sur le côté. Attends, si je peux aller sur lui. Non, voyons, voyons. Le laser là où tu l'avais mis sur le vert, il va où? Parce que c'est. C'était intéressant là, tout à l'heure. Ah, faut que je me cache, j'ai plus de combi. C'est chiant, ça je l'ai essayé déjà, mais ça touche pas le truc en vert. Ça peut pas se refléter. Non, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ce que tu as fait qui était très intéressant là, avec le reflet. Ah, le rayon. Ah, pardon. Le rayon, il était presque au. C'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut le refléter sur le vert là-bas. Pour qu'il se reflète ici, qu'il reflète là et là. Donc, là, je vais me changer de tenue. Olé. Mais vas-y, je cours, je misclique, c'est pas grave. Ah, 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 attends. Ça y est, j'ai un rayon qui est parti de l'autre côté. Ah, parfait. Hop, maintenant, faut orienter lui. Ah, nickel. Et il faut l'orienter où là? Ouais, non, sur lui, ouais, je pense. Et lui, ouais, ma fille, pardon. Alors attends. Moi, est-ce que. Attends, tu. Y a pas un verre de si, côté si, là? Si, si, si. C'est pour ça que je. Ah. T'es-tu. C'est bon. Moi, dès qu'un. Si, si, c'est bon. Pas besoin, viens. De quoi? Ah, bah, en fait, là, on était sortis. C'est bon, c'est ouvert? C'est bon. Alors, l'objectif complexe de Selene était de perfectionner des réacteurs expérimentaux pour approvisionner. J'ai pas compris. C'est pas gagné, c'est fait. Je te rappelle que ça sera dans ton. Oui, je pourrais relire, oui. Cependant, avec nos effectifs, nous ne pouvons que construire un prototype basique. Autant que c'est possible, je le sais, il nous faut juste des renforts. Il existe un endroit où des gens, des radeaux et les survivants de l'ancien monde vivent en harmonie, Utopia. Ah bah, je croyais qu'on y était. Ah non, c'est pas la vie de l'homme alors. Peut-être y retrouverons-nous un moyen de réparer nos erreurs. Hier, nous avons capté un de leurs messages. Un investisseur a pris le contrôle de la communauté, Olof Wickstrom. Eh oui, c'est le grand Maboul. Allez, c'est bon. Là la clé de réacteur. Ouais, et là, let's go. Torota ? Oui. Tiens. Non, mais là, c'est pas vert pour l'instant. Torota. Oui, c'est moi, bonjour. Oh ! Elle est pas complète, mais ça t'en fait une de réserve. Merci beaucoup. Ah, ben voilà. On peut se reparler. Voilà. Bonjour. Allez, venez, sale bête de mes deux. D'accord, je m'en vais. Non, mais la porte me fait pas le coup maintenant de. En fait, on a une viande à chaque fois. Mais encore, on a plus. Si, il y en a encore deux, là. Une. Non, mais faut arrêter. Il y a un truc à faire. Je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc à faire parce que ça respawn à l'infini. Ah, elle respawn. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à ramener du navire? Parce que je vais vous rejoindre.
c'est pas ça qu'il faut faire. Ah oui. Si, c'est ça, il y a des valves à baisser, mais je crois qu'il faut arriver à les faire en une fois sans se faire attaquer. Ah ouais. J'en ai fait une. Aïe. Putain, elles sont organisées, les salopes. Hop, c'est bon, la deuxième. Barrez-vous, barrez-vous. Ouh, je vais me refaire une combi, moi. Merde, c'est où la sortie? Ah, putain, vas-y, c'est bon. Je me casse. Je me casse. Je n'ai plus... Ah, oh, putain, mais... Ah, elles suivent, elles suivent. Oh, sa mère. Aïe. Hey, je l'ai pas touché. Ouais. Ah. C'est pareil, j'ai attaqué à travers. Hop là. Donc du coup, il faut allumer les valves, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y en a. Bah, faut tourner les valves jusqu'à que le truc baisse. Attends, elle est où la valve? Dis donc, toi. C'est la valve du milieu, c'est ça? Ah ouais. Ah ben non, c'est bon. Là, il y en a une. Oui, mais j'en ai fait une et là il y en a une autre. Je suis en train de la faire. J'espère que je vais arriver. Bon, mais je les attire, elles sont toutes sur moi. Non, là, non, 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 j'en ai une sur le cul. C'est bon, je viens de la tuer. Moi j'en ai. J'ai réussi. Il y en a trois de coincés. Ah ben c'est bon. Voilà, la porte ouvre. Il y a eu un énorme bruit en extérieur. Oh, GG. J'ai des cadavres à récupérer, là. Non ? Ah, j'arrive pas à le récupérer, celui-là. Panta ! C'est vous bon, n'arrivez pas à récupérer un cadavre... Non, derrière toi, il y en a un encore. Quand vous arrivez, oui. Vous pas à récupérer un cadavre... Qu'est-ce qu'il y a, OBS, Nash ? Hé, je suis dans la salle de contrôle, tout est vert, j'actionne ? Normalement, tu dois pas pouvoir actionner quoi que ce soit. Prends la porte du réacteur, le sage. Ah. Ça doit être sur la droite, oui, quand tu regardes le tour. Tu peux venir sans... Attendez, attendez que le sage arrive. Et... T'as pas besoin de prendre de combinaison. Hein. Voilà, j'ai trouvé un plan de soucis, fonderie électrique. T'as oublié une caisse devant toi. Si tu veux la prendre. Heureusement que j'avais dit pas besoin de prendre de combinaison. C'est pas grave, j'avais déjà pris. Alors. Donc on a eu un gros combat contre les insectes et... Oui, j'imagine, il y avait plein. Les autres, ici, qu'est-ce qu'ils font? Oh, on attend, voilà, là il y a un truc à appuyer. Oh, c'est... Un con gelé. De la viande, je fais le... Oh. Allons-y, Geronimo. Oh, la merde. C'est les pieds nus en plus. Génial. They left me here. Merci de m'avoir réveillé, la cryogénisation fait des ravages sur le long terme. C'est moi ou il a un filet de bave congelé là? Place pour un ingénieur en biologie. Oh, ingénieur en biologie. C'est toi parce que moi je le vois pas. Ah ben, sur mon stream, on dirait qu'il a de la bave congelée, tu sais, sur la lèvre. C'est très drôle. Voilà, vous avez tous un nouveau personnage. Wow. Ouais. Super. Et il a pris une grande respiration, il a de la toux. Ah oui, non, merde. Ben voilà. Un souci avec. On a les coordonnées pour le cas. Non, non, ça y est, elles se sont faites défoncer. Et maintenant qu'on a enlevé le gaz, on peut aller visiter les deux autres endroits où il y avait des. On va tout défoncer. Alors attends, là il y a une salle là. Ah oui, il n'y a qu'un accès. Allez, mais putain, mon perso il a que de bloc-cuit. J'adore la combi. Ah, mais non, c'est qu'il a un trop gros cul. Pardon. Ouais, mais ça dépend. S'il a un trop gros cuit, c'est la tête qui passe pas. S'il a un trop gros cuit, eh ben on sait ce qu'il
coince. Bon, ben voilà, c'est tout. Le sage, il a sa combinaison. Bon, et ben voilà. Après, c'est facile. Ça y est, c'est parti. On revient au village de tout à l'heure, c'est ça? Ouais, avant, si vous voulez, il y a autre chose. Ah. Quoique, non, on va aller au village d'abord. Ça sera fait. Le village d'abord. Tu ne veux pas monter à l'arrière d'un motoneige, Capitoune? Alors, on fait sa course à pied pour... Allez. Je peux monter derrière le stage, il a une combinaison, comme ça, je le touche pas. C'est tout droit, et c'est sur la gauche, après. Olé ! Hop là, c'est pas. Au revoir. Oh ! Oh, je suis sur la glace, j'ai fait du motoneige sur glace. Ça devrait être bien mieux pour descendre là maintenant. Oh, j'ai glissé, capitaine, la machine aussi. Voilà, il y a du minerai de titane ici, de la ferraille. Putain, et je ne sais pas suivi, Je commence par les salles sur la gauche. Hop. Moi, je suis celle sur la droite. Alors, vous êtes tous, je vous ai perdu. Moi aussi, j'ai pas la fois d'elle. J'ai encore un filet. Ah, là, c'est coincé. Vous êtes dans le petit village, c'est ça? Ouais. Y arrive. Ah, encore du minerai de titane. Avec moi. Et le jeune, il roupille encore. Ah oui, mais oui, Nayone. Ah, il roupille encore. Ah oui, c'est vrai que Vidjé, il est pas là. Toc, mais vous vous fouillez où, là? Je ne vous vois pas, les copains. Ici. Ah, ça y est, il faut trouver l'autre, le deuxième maintenant. Il est où, Torota? Il est où, Torota? Oh, le deuxième. Moi, je suis dans la ville où on a branché tous les câbles. Ah non. Oui, il revient à l'entrée. Oui, à l'entrée, comme si t'allais prendre la direction justement du double réacteur là, qu'on vient de mettre. Ah. Ah oui, tu es beaucoup trop loin, malheureux, je te vois. Ah ben magnifique. Hop, il y a. Pourquoi prends-tu un motoneige? On peut y aller à pied. Attends, non, il va falloir qu'on prenne le motoneige. Ah d'accord. Bon ben, je suis le capitoune. Quelle aventure! Ah je ne m'en lasse pas. Trop bien. Ah, vous m'attendez? Oui. Bah oui. Bah allez, on y va. Vas-y, je te suis. Voilà, je suis garé. Et merde, le permis. Yes. Oh putain. On n'est pas arrivé. Hein. Toujours derrière? Oui. J'observe le paysage aussi joli. Non mais on est bidon, il est juste là. Hop. Allez. T'as une caisse au-dessus de toi, etc. Ouais. Bien joué. Le pillage. Ouais, je vois du titane là, au bout là-bas. Ouais. Mmh.
Il n'y a pas de jeton de trouver. Non, c'était pas apparent. Ouais, j'en ai pas vu. Il faut mettre le lit de Edgé en cathédrale qui est d'accord. Je sais pas, Nayonet ici. Là pour. Ouais, un... mettre son lit en cathédrale. Bibi. Dit Nayonet. Ouh. Ah si, j'ai envie de m'amuser. Je plaisante évidemment. Ah oui, c'est oui, t'es avec le détecteur de métal. Non mais tu plaisantes, mais même dans les îles, on va dire, de la quête principale, il y a peut-être des trucs. Faut pas négliger. C'est pas idiot. Tu vois, ça me serait pas venu à l'esprit. Ouais, là, ça va être tellement grand que pour trouver quelque chose. Je sais pas s'il y en a d'autres ou pas, je pense pas, mais... Non, il n'y en avait que deux, il me semble. On n'est pas vu en chemin. Bon, ben, on va retourner au bateau. Allez, let's go. Je vais suivre le capitaine. Je suis prêt. Allez. C'était génial. Va falloir qu'on avance un peu le bateau pour essayer notre bêtise, Torota. Ah oui. C'est vrai. La bêtise du capitaine. Oh, remarque, là, on peut pas, parce que... Non, parce que j'arrive pas à monter avec le sur les autres à côté. Ah oui. Bon ben alors attends. Tout le monde est dans le bateau. Oui. De toute façon, c'est pas comme si on allait partir hein, tout de suite. Non mais c'est oui je sais bien mais hop je monte. Allez. Avec le petit Seb, on va faire une science. On va tester quelque chose. La science Hop. Est très importante pour un capitaine. Voilà. Hop, c'est bon. Je vais pouvoir me rapprocher un petit peu. Vous pouvez lever l'ancre. Pas un problème de mouette, le sage. Si, elle est inter-étage. J'arrive pas moi, à je la vois plus loin. Je la vois plus loin, ouais. C'est marrant. Nash, c'est bon, l'ancre élevée. Hop, Nash qui dit, moi je propose qu'on se cotise qu'à Noël prochain, on lui offre un réveil à l'ancienne avec les cloches. Alors, l'ancre n'est plus levée, Torota, mais c'est toi qui dois la gérer. D'accord. Ah oui, alors, avec... L'ancre avancée, oui, qu'on a trouvé le plan. Ouais. Il faut que... Merde, on n'a pas relevé le pont au fond là-bas. Attends, moi je vais relever les neufs. Oh, ils crèvent la dalle, les pauvres animaux, il n'y a plus rien à brouter. Normal. Ah oui, du coup, il n'y a pas d'eux. Attends, je vais leur mettre un peu d'eau dans leur truc.
Enfin, pour lui embrouter, c'est bizarre parce qu'il y a un côté ce qui devrait être. Ah, mais non, on n'a pas mis de batterie là-haut, c'est vrai. Oh, j'ai exceptionnellement envie des mégots pour les animaux. Ah, c'est dommage, on a loupé un cycle de meneuf. Enfin bon, on peut pas tout faire. Oh merde, mais non, je voulais pas te prendre. Ah non, j'ai cru que j'avais. Attends, copine. On bouge pas du tout, hein, Toro Tao. Tourne légèrement sur la gauche quand on aura démarré les moteurs. Légèrement sur la gauche. Oui. Vraiment légèrement. T'as démarré les moteurs là ? Ouais. Parce qu'on n'avançait pas. Oui, mais on avance toujours pas. Attends, l'encre. Alors... On est d'accord que l'ancienne encre manuelle, elle est. Ah bah non, on a pu la gérer à la... Non, non, mais ah, c'est bon. Il y en a un qui a changé le sens de rotation de certains moteurs en passant. Ah merde. C'est bon, normalement. Attends. Démarre pas tout de suite. Non. Pourquoi personne ne rigole à ma blague ? Je suis déçu et je souffre abominablement d'avoir tué mon clavier et de taper ce message avec ce clavier tout pourri. C'est horrible, dit Nayone. Oh. Bah écoute, vas-y, tu peux lancer. Non, mais je pense qu'on bloque là en fait. Tourne à gauche. Il bouge pas du tout. Faudrait que je fasse une marche arrière alors. On serait mais c'est réactive l'encre là-haut. Qui que quoi là? Merde, ah bah tiens, j'ai loupé la mouette. Je suis tellement ouais. Trop l'histoire de l'encre. Elle est descendue, vas-y, remonte là. Oh, Capitoun, oui, c'était ça votre idée. Faire monter un motoneige à bord. Je me trompe? Tu te trompes. Cherche tes panneaux, toi. Enlève-nous tes panneaux. Vous avez pas oui, c'est vrai, ça. Panneaux, Capitoun. Bah, je sais pas, regarde ton stream de la semaine dernière, retrouve tes panneaux et tu les enfiles. Voilà. Oui, Capitoun. Non mais... Oh. Moi le capitaine ou c'est pas moi le capitaine, d'abord. Bah, essaye de faire une marche arrière, hein, Toro Tao, je vois pas... parce que là, on est complètement bloqué, c'est fou. Eh bien... On ne bouge pas, voilà. Mais pas d'un pouce. Oh putain. Ouais, effectivement. Là, c'est bien strange. C'est bizarre, pourquoi on bouge pas? Mais tous les moteurs sont alimentés. Attends, c'est... Attends, mais d'un côté, t'as vu où on est? Attends, mais... Les motos de neige... Ah ouais, mais on peut... Ah, alors... Attends, la voile est levée. C'est bizarre. Bébé. Ouais, je vais essayer un truc. Tac tac tac. Active l'encre, enfin coupe les moteurs, active l'encre. Hop. Est-ce que j'ai été trop violent avec ce pauvre jeu? Ça m'étonnerait, mais. Je vais activer l'encre.
Attends, je vais descendre aussi. C'est vrai qu'on bouge pas du tout. On est pris dans les glaces. Non, non, on a largement de place pourtant pour pouvoir se dégager. Attends. On est reparti. J'ai remis l'encre manuelle. D'accord. Tiens, quelqu'un est parti en motoneige. Il y a quelqu'un. Oui, c'est moi. Il y a quelqu'un qui peut se. Tu pourras pas monter. Il y a quelqu'un qui peut se mettre sur le près de l'encre, s'il vous plaît. Oui, j'y vais, capitule. Que dois-je faire? L'encre est baissée là ou elle est levée? Elle est baissée. On a jeté l'encre. Mais c'est dingue, ça ne bouge pas du tout. Est-ce qu'on peut essayer de ramer peut-être d'un côté pour dégager? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire parce que... C'est toujours comme ça que ça se passe, un geste banal. Ah oui, pour... ça va. Bon, essaye de ramer un peu, je sais pas si quelque chose. Ah là, comme ça, vous reculez de l'autre côté. Allez, ciao les copains. Ah bah t'es pas dedans. Ah bah non. Non, non, mais t'as... Arrête-toi, Christella. Je vais aller ramer par ici, parce que comme ça, je vais voir exactement ce que je fais. Faut revenir, ton retard. On va partir. Ah oui, tu veux essayer de surmonter le motoneige. Je contrôle l'autre. Faut là. C'est bizarre, on dirait que vous tapez dans un mur invisible, quoi. Mmh. C'est possible. Ah, ça bouge. Après, si tu veux avancer. Qu'est-ce que tu fais? Ben non, j'essaie d'avancer dans l'autre sens, moi, depuis tout à l'heure. Mais où? Vers là? Non, vers la baie. Je veux dégager le bateau. Hop là, voilà. Pour Rota, faut bien qu'il monte, non? Mais il montera après, déjà, faut qu'on... Mais putain, attends, mais le bateau, il est aimanté, quoi. Il revient. Je repars de l'autre côté, ça va peut-être aider. Ça décolle ou pas, là? Je sais pas. Le bateau est trop gros, j'arrive plus rien à voir. Hop, je suis monté en haut là avec le. Oh, j'ai envie de tenter la connerie de faire le méga jump entre le bateau entre là où je suis et le bateau. Chiche. Vas-y. Chiche, je tente. Chiche. Moi, je fais. Ah mais vas-y, mais monte sur la passerelle là. Là où est Christella. Attention. Dedans. Tu vas plonger dans la flotte. Ah mais ouais. Moi j'en ai déjà foutu à la flotte, c'était très drôle. Attends, allez, vas-y. Attends, puisque t'es là, si on ouvrait l'autre côté, non, tu peux pas passer par l'autre rambarde? Attends. Non, 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 elle est dans la flotte, c'est l'autre. Là, ça va. Attention. L'arrière. Non, elle est trop non, loin, non, elle est non, non, trop loin. Là. Bon, vas-y, eh ben, allez, je me lance. Fonce, ouais. Toi, vas-y. Bah, t'es dessus. Bon, ouais, voilà. Oui, elle est bon, sur la passerelle. Bon, mais c'est bon, je suis garé. Attends, j'arrive, te retage, je vais me garer derrière toi. Ah oui, je me souviens, c'est pour ça qu'on l'avait pas fait. C'est parce c'est que une fois que t'es plus sur la glace, il marche plus, les motoneiges. Bon, eh ben, voilà. Eh ben, je sais pas comment t'as fait pour monter le premier...
Ah, t'as fait un contournement, je pense. Bon, ben, ah non, j'ai juste pris de la vitesse pour monter ici. D'accord, ouais. Ah, ça va être un peu violent, mais bon. Ouais, je vais essayer. Allez. Ah non. Non. Oh. Ah merde alors. Ah. Il faut que tu prennes vraiment une grande distance. Mmh. Et que tu arrives bien pile ici, là où je suis. Ouais, au niveau de la crête. Comme, ouais. Ah, ça y est, on bouge. Ah. Drive the snow into the sea. Ah ben ouais, d'accord. Ah non, ça revient. Ah oui, ça revient. Oh la vache. Comment on a eu le trophée. Dès que t'arrêtes de ramer, ça revient. Quel trophée? Eh bien, j'ai eu le trophée conduire un chasse-neige dans l'eau. Voilà. Ah bah oui, parce que l'autre elle bougeait plus et quand j'ai avancé, elle est passée à la flotte. En fait, il faut qu'on rame tous. Ah mais non, mais pourquoi vous avez bougé? Mais non, je suis tombé. Bon bah y a plus de ah non. Et pourquoi on a bougé? Parce qu'on essaye de dégager ce putain de bateau pour sortir. Ouais, en fait, c'est tout ce qu'on rame. Oh merde. Mais il fait 3 mètres et puis il s'arrête. C'était trop fort. C'est bien, ça fait un clip sur ta chaîne. C'est toi, Tonnage, je me laisse de rame. Ah ouais. Bonjour. Ça sera à clipper parce qu'honnêtement. Eh bien. Ah oui, j'ai l'impression qu'ils considèrent que l'encre est toujours baissée en fait. C'est bon, on s'éloigne là, non? Ouais. Non. C'est quand même fou. Bah, c'est fou, et tout ce qu'il y a, il faut qu'on rame pour décaler le bateau, quoi. Vas-y, attends, je lance l'encre. Ouais. Essayez voir. Ça bouge plus? J'ai lancé l'encre. T'es au poste de commandement, Torota? Toujours, capitaine. Ouais, c'est bon. Le bateau bouge plus, on est loin. Bon, alors, je lève l'encre et puis tu lances les moteurs pour qu'on se dégage 46, de là. 46, 98. Hop, je lève l'encre. Bon, moi, je retourne en cuisine. Il y a un moteur sur 6 qui marche, là, je pense. Non? Bon, c'est bon, apparemment on revient pas vers le truc. Vers le... Non. Et non. Non, non, ils sont tous en train de tourner là. 46, 98. Et on ne bouge pas. C'est génial. Fais ça, est-ce qu'on bouge? Non, 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 on ne bouge pas du tout, mais vraiment. Est-ce qu'il faut pas que Tota relance son serveur? Il y a peut-être un bug sévère. Justement, c'est ce que j'allais proposer. Ouais. Sauvegarde, ouais, et vite on va essayer. Ça y est, j'ai sauvegardé et puis je quitte. Je me déconnecte et puis on va recommencer. Ouais, il y a juste à se renvoyer au menu principal. Ouais, ouais. Eh bien, quelle aventure. Je pense que j'ai trop violemment. Parce que j'ai retiré l'ancienne encre, mais je l'avais pas relevé avant. Ça se trouve, c'est ça qui a causé le bug. Non, c'est vrai que j'ai pas mis de lumière d'appoint, donc du coup vous me voyez pas. Elle est où ma lumière d'appoint? Elle doit être dans mon garage, bien sûr. Dans mon tiroir. Oula, par contre, vous entendez, c'est le tiroir. Et le tiroir, il est dans le garage? Oui, non, bien sûr. Monsieur, n'en parlez pas. Alors. Ah mais non, j'ai plus qu'un pour cent de batterie, j'ai oublié de recharger ma batterie. Ah, quel idiot. Bon bah vous allez me voir un peu éclairé mais pas longtemps. C'est mûche. Et ça y est, c'est bon, je suis retourné.
Ah, je vais revenir. Oui, bah, il va me rappeler dans une douceur. Ah non, là c'est. Oui, oui, là, chacun peut se faire son propre radeau. C'est-à-dire que et chacun peut faire plusieurs radeaux. Ah non, mais son propre radeau dans la même partie, Nash. Ah non, dans la même partie, non, tu peux pas. C'est un radeau pour tout le monde. On n'avance plus, putain. Ah ouais, non, mais là... Ouais, mais l'encre est jetée, là. L'encre est jetée. Bah oui. Attends, je la relève. Et c'est où, sur le piano. Ça y est, on bouge, moi, là. Je vois un coup. Ah, là, c'est bon, on bouge. Là, ça bouge. Let's go. C'est un bug d'encre, là. Ouais. Parce que alors, quand attends, tu me fais lever attention, l'encre... Attention, je mets la nouvelle encre. Ah. Et ça la jette automatiquement. Ça, c'est relou. Relève-la. Là, elle est relevée. Vas-y. Ah, elle est repartie. Oh, c'est bon. Je crois qu'elle était repartie. Non, non. Vas-y, lance les moteurs. T'as lancé là ? Oui. Et de nouveau, on ne bouge plus. C'est quoi ce bordel ? En fait, c'était que tu l'as posée que ça s'est. Elle est peut-être trop lourde pour le bateau, non ? Il n'y a pas un poids avec cette nouvelle. Il nous faudrait un moteur de plus ? Je sais pas si. Mais remets l'ancienne, peut-être... voir ce que parce ça que donne. Quand tu vois le truc, quand même, ça a l'air d'être lourd. Donc peut-être que c'est ça. Oui, mais normalement, c'est en fonction du nombre de. Le de fondation, c'est pas en fonction du nombre de GG. Re-essaye de l'enlever voilà. Pour voir si on rebouge. Là, je l'ai enlevé. Non, arrête les moteurs et relance-les, Torota. Moteur arrêté, tu peux relancer. Non, je pense qu'il faut qu'on soit. Donc là, elle est bien toujours levée. Vas-y, enregistre et relance le serveur, Dorota. Je pense que c'est ça, inefficience. Principal. Oui, l'encre cause des bugs, je pense, mais je pense que si on l'a mise avant, ça devrait aller. Sinon, on fera avec l'ancienne, hein, puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce qui change entre les deux ? Bah, la dernière encre, en fait, Nash, on peut la... Là, on avance. T'as relancé, là ? Non, non, quand la machine, elle était en route, déjà, donc c'est bon. Les mystères de la navigation d'un raft. Du coup, question, qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? On sort des vacances... On vague et puis on récupère des ressources sur des différentes îles. Hein. Bon, mais j'ai une grande île là juste à côté. Wow. Ok, c'est bon, on est bon. Bon, en attendant, je vais remplir ma gourde d'eau. Hop, alors par contre, j'aime bien faire ça. Tiens, j'ai deux. Moi, j'ai Castor Blue Steak en réserve là. De titane. Toc. Allez, zou.
Oui, il y a un minerai de titane dans le stockage de la cuisine, n'importe quoi. Ah oui, c'est moi qui ai oublié de ranger, j'ai vidé mes poches, pardon. Bon, à terme, il serait revenu au bon emplacement. Mais... Tac. C'est vrai. J'ai peut-être d'ailleurs d'autres âneries que je range ma cuisine. Ok, je vais remettre ça. J'ai du sable. C'est un peu le bazar, j'avoue. Bon, allez, je vais préparer des plats, moi. Je vais retourner à mon poste. Ouais, range tes frigos, je pense que c'est un peu le bordel. Mais tu te posais un peu n'importe où. Et tu nous as retiré ces pancartes, le sage ? Mais je ne les vois plus, les pancartes. Ça doit être bugué, c'est pas possible. Bah, je suis désolé, mais j'en ai trouvé aucune. C'est étrange. Avis de recherche. Ce soir, des panneaux que le sage avait posés et qu'on ne trouve plus. Voilà. Ça, hop. On va aller. Zut. Ah ben ça tombe bien, il faut que... Je mange. Je vais manger ça histoire de tenir. Voilà. Hop. Je vais mettre à cuire ça tant que j'y suis. Ça sera un peu de temps gagné. Oh, ah oui, des choses à ramasser. Hop là. Chic. Ouais. Mais j'ai bien liquidé. J'ai liquidé combien de l'encre m'a coûté, l'huile, un godane et les raffineries m'ont coûté 6 et 6, 12. Ouais, j'ai utilisé un stack complet de lingots de titane. C'est énorme. Attention, capitaine! Bientôt, ça va toucher! Je te rappelle que c'est toi qui commande l'encre maintenant. C'est pas grave, on va la défoncer, cette île! Vous avez toujours rêvé de vivre sur un archipel? Attendez! Oh, c'est beau! Voyons ça de plus près! Faut que je me refasse une machette. Ah, je sais plus, je vais faire, je me concentre et je vais faire une machette. Bonne journée. Pomme de terre, deux œufs, un champignon. Non plus là-bas. Allez, là on devrait être pas mal garé. Oh, très bien garé même. Incroyable. Qu'est-ce que je me gare bien. Capitoune, un second qui sait faire les. T'as oublié de couper les moteurs. Oh putain, et pourtant je l'ai fait. Oh. Casse noir. Comprends pas le jeu là. Pourquoi il le fait pas. Je l'ai activé. On verra sur le replay. Je suis pas jamais cœur. Est-ce que quelqu'un peut me faire une machette, s'il vous plaît, en attendant que je redescende? Oui. Bon, ah bon, moi j'en ai une quasi neuve, alors. Attends, je vais passer par là. Oh, Momoka, merci pour ton raid, bienvenue à toi et à tes raideurs. Bonjour, Momoka. Comment vas-tu, Momoka? Je descends. Alors, The Machette. Trois, deux. Ah bah merde, on est à l'arrêt. Ah mince. Je pensais récolter du bois dans les filets, mais il n'y a plus rien. Ah si, il y a un petit peu. Ouais, vraiment peu.
Bon, il va falloir que je... Trois de ferraille. Ça va bien et toi, ça va. Je te remercie. Ça me plaît. Zut. Deux cordes. Et deux boulons. Je pète un boulon. Pas du tout. Un stockage. Voilà. Allez, bien des coucou des ours. Je viens vous défoncer votre... voilà. Votre pelage. Je vais ouais défoncer un peu là, je connaissais pas, mais oui, c'est accordé, c'est validé. Là, c'était une phrase au poil. pardon. Ah ben tant que ça reste pas l'arrêt, ça va. Oh. Je pense qu'on est trop heureux d'avoir fini ce style là, on est tous en train de partir en. Ah, oh, c'est pas, il y avait quelque chose de magique quand même. Bon, évidemment, la phase réacteur était angoissante, mais. Je sais pas, il y avait de la féerie avec toute cette neige. Non, vraiment, il y avait quelque chose d'apaisant. Oh, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Non, sérieux, il y a pas de coffre là pour l'instant. Ouh, ça va pas aller ça. Il va bien y en avoir un petit. Comme je suis un rapace et que je cherche que des trésors. Je veux de la thune. Ah mais d'ailleurs, petite question, on est parti. Et on a les jetons, on n'a même pas utilisé les machines. Mais c'est ce que je te disais, les jetons, on les utilisera à la fin. Ok. Bon. Parce que les machines, il y en a là, il y en a sur Atlantis, et il y en a peut-être après sur l'île d'après aussi, je sais plus. Donc il va falloir qu'on regarde ce qu'il y a sur chacune des îles et qu'on achète ce qui nous intéresse avec les jetons qu'on a. En fait, on aurait dû prendre des screens pour savoir ce qu'il y avait à payer, mais... Tant pis. On va toujours y repasser plus tard. Qu'est-ce que je cherchais ? Eh bien là, je suis déception parce qu'il n'y a pas de coffre. Ah oui, je suis bête, c'est pas... Je suis trompé. J'ai confondu les marmites et ça... T'as vraiment la poisse, toi, avec les... Moi, jamais ça m'arrive de pas avoir de coffre. C'est pas moi ce que ça, comme c'était une île, peut-être que on a fait pas longtemps. Est-ce que ça fait que il y a même pas d'ours, je n'en ai pas vu. Peut-être que l'ours s'était déjà fait défoncer et que ouais, oui, elle est bizarre. Que là, son cul de sage. Sa cuisine. Qu'est-ce qu'on... Planche de surf, corne de viking, casque de plongée, chapeau de plongée. Merci de ne pas remettre de fer dans les fonderies. De bois, pardon, dans les fonderies. Oh. Level up pour Aerostar et Rioli. Ah, et ben. GG. Je sais pas, c'est où l'argile. T'es pas dans le coffre fond marin, je sais pas quoi. Ah, si, c'est là. Ah, ben le voilà, le nounours qui est en train de pourchasser quelqu'un qui s'appelle Torota. Allez, mangez. Alors, est-ce qu'il est là, le bloqueur ? Ah, je suis tombé, mon dieu. Ah, j'entends la cuisine. Oh, il est là. Voilà. J'ai une victime.
Oui, t'es un peu loin. Oh, il est bien posé, là, l'ours. Il est bien... C'est excellent. Il me fait quoi, l'ours? Il fait une danse ou... C'est quoi? C'est bon. C'est comme le dromadaire dans Minecraft, il se couche. Il se couche pareil. Il se met à l'envers, le dromadaire. C'est bon, je peux venir. T'es bien mouru, Shiber? On touche pas à mes paquets de drogue, s'il vous plaît, merci. C'est des bons poissons pour les sushis. Non mais... Ah oui, c'est des bons poissons. Oh, bah, je vais faire des sushis. Alors, il faut... Et comme tu dis, c'est ni bon ni mauvais, c'est ça? Ah, bien! Bon, et des Pourquoi un mot dans le sushi, c'est bizarre. Bah, c'est la recette. Ah, puis je vais rester dans le bateau. Il me faut deux circuits imprimés, donc il me faut plus de plastique. Après, si tu veux aller au Dom, là, on pourra y retourner, puisque c'est à ce point là-bas où on peut avoir des circuits électriques à foison. Non, non, c'est circuit imprimé. Ah, circuit imprimé. C'est ceux qu'on craft, mais t'inquiète, je vais entendre les faits. Ok. Il me manque les deux substances. Voilà. Hop, deux circuits imprimés. Il me manque quoi du coup? Ça j'ai, ben, il me manque plus que les briques qui sont en train de sécher. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on dit que vous oh mon dieu, j'ai plus rien pour faire ça. Je vais me faire de la corde. Merde, c'est pas là. Bon. Ah, si, c'est là. Ah oui, effectivement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, et là, il n'y a rien. Ah oui, mince, j'ai oublié, j'ai pas déposé mes plats. Je sais plus. Ah. Ça, c'est bon. C'est mûche. Allez, où l'île? Alors que je remette les flèches en place. Alors, le miam. Vous avez trouvé de la terre ou pas? Vous avez pas cherché en... Moi, je m'occupe du... J'en ai pas trouvé. Quelqu'un a fait de bûcheron sur l'île ou pas? Non. Ça me dit non. Quoi. Mais il te faut combien de... Ah, t'as une hache? Bon, moi je serais partant pour abattre tous les arbres. Le mec qui... Après, si tu veux du bois, je vais t'en donner. J'en ai une tombe sur moi, là. Tiens, regarde. Hop. Hop. Merci, merci. Je veux de rien. Moi, je récupère les ruches que je croise. Oh, bonjour, Piquette. Je crois que le smoothie argenté, nous l'avons. Aïe, oui, je crois aussi. Je crois que c'est... Enfin, oui. Mince, mon cerveau a bugué, lui, je sais plus ce que je cherchais. On l'a, effectivement. Ah mince, je peux faire qu'une tournée de sushi, on n'a pas assez d'algues argentées. Eh bien. Kurota était déjà passé sur le... Pour acheter sur cette île, le marchand a plus de titane en réserve. Ah. Ouais, donc c'est bizarre, ça s'est pas remis à jour depuis le temps que je suis passé là. C'est... Bon, bah, je vais faire une... C'est étrange. Ah, je suis retombé. Bon, j'ai pas une mouette en guise de... Oh, même pour sniff. Eh bah, pour la peine, je prends des appâts pour faire des pièces de marche. Ouais. Ouais, bah, elle est là, la grotte, avec la terre. Non, même pas. C'est ferraille.
Plastique. Ah merde, j'ai un bug avec une marmite. Oh. J'ai un bug avec deux marmites, mais c'est pas grave. Tant qu'elles sont opérationnelles, de manière différente. C'est... Ah, non, 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 comment ça s'éteint? Non, ça, ça va. Donc j'en ai vraiment une qui a merdé. Parce qu'elle est fermée, le couvercle est fermé, alors que ça doit être ouvert pour la prochaine truc. Mais bon, c'est bon. Est-ce qu'on est... Tiens, l'ours, t'avais qu'à pas me chercher des problèmes. Ah mince, on n'a pas de piment. C'est trop raffiné comme ingrédient. Bon, bah alors je fais pas la recette là. Ah, noix de coco, champignons, des piles. Noix de coco, champignons, des piles. Noix de coco, champignons, des piles. C'est qu'une canne à pêche. Moi j'en ai une. Je suis en cuisine. T'es où, Christella? T'es toujours... Non, t'es partie de vadrouiller. Dans l'eau, ouais. Je fais le tour de l'île pour voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Ah, mais j'ai plus rien à bouffer, moi. Merde, il y a une autre coquette. Aïe. Oui, moi là j'en ai un peu beaucoup. Là. Faut que j'arrête la déconnade. Pas grand chose dans l'eau là. Mais c'était quoi la recette? Ouais, mais je pense que comme c'est une île que j'avais faite. Il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de lingots, il y a que, j'ai récupéré que des cailloux et de l'argile. Il n'y a rien autour de cette île. Ouais, mais ouais, ça s'est pas remis quand je l'avais visité. Non, donc, mais ça met du temps à se régénérer et surtout, il faut que tu sortes de la zone d'effet de l'île, il faut qu'elle disparaisse de ta carte en fait. Et en réalité, c'est même pas ça, c'est qu'elle despawn complètement et après, tu en as des nouvelles qui respawnent. D'accord. Ah ouais. Reposer les blocs de déchets. Bon, mais vas-y, let's go, on va se trouver une autre île. Hein. S'il n'y a rien, ouais, c'est pas... avant de décoller, je suis dans l'eau, moi. Attends, avant de décoller. Ah. Eh bien, ça marche. Je vais préparer les réacteurs pour les faire chauffer. Ah, c'est juste un bug graphique, ça va. J'ai pris la main sur les clés. Je préfère ça. Alors, je vais pouvoir livrer mon plat. Il n'y a pas de mouette. Oh, dommage. Pas de pièce. Ouais, c'est ça. Alors, ah, les premiers sushis. Alors, ils sont rares. Hein. Ah, j'aime bien la description des sushis. Mais d'où provient ce riz? C'est vrai qu'on l'a pas comme on l'a pas comme vivre de base. T'es beau, j'aime bien. Et j'ai une autre île un peu plus loin. Si vous voulez. Allez, let's go. T'es où, Christelle? Attends, le haut, j'arrive. Ah. C'est moi le coup de regarder un peu. Là, j'ai des lingots de métal. La 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 la. La mine et tout. Alors, les steaks. Ah, non, voilà. Hop. Un peu plus. Merde, qu'est-ce que je fais maintenant pour le coup? Je devais recharger toutes tes batteries pour les boissons. T'en as combien? Hop.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce magnifique navire. Le capitaine et moi-même, son second, sommes heureux de vous accueillir. Je vous rappelle que pour la sécurité de tous les passagers, il y a 4 issues de secours sur les 2 côtés du bateau. Ah bah non, je veux pas le récupérer, mais c'est... J'ai tout mal. Bon, ça y est, un bateau revenu, Non, non, c'était pas les champis, c'était quoi? Bonne journée, Funfan. Mais il y a plus plus tard, Funfan, badap. Il a pas, on peut pas le récupérer, il a pas dans... Bon. Non, non, tu peux pas. Alors, si j'avais des choses pour pister là, mais... je te pose ça dans le premier coffre là. Yep. L'on n'a pas pour pêcher. Bon, allez, on peut prendre le vent. C'est bon, je suis remonté. On prend le vent, c'est parti. Oh non, t'es dégueulasse. Putain. Et pour une fois, j'en profite. Hein. Excellent. Ah, au moins un qui apprécie. Moi, j'ai 2 minerais de métal et 2 d'arrière de pied. Ah, ça a changé le cours. Tu peux les mettre dans le coffre. D'ailleurs, coffre que je vais... Peu importe les appâts, si je suis avec une canne à pêche en bois, en plastique. Peu importe. Ok. Wow. Ah merde, il est en train de tourner, Toroda. Reviens quand tu tournes. Ça empêche de poser les trucs comme il faut. Je tourne. C'est bon, je tombe plus. Ah, t'as pêché du poisson frais, Christella, je présume. Surtout des bouts de requin, j'ai ramené. Oh, trop bien, merci. Alors, si la recette de cuisiner le requin. On l'a pas acheté vers 7, je crois que c'est chez le marchand vers... Ah non, j'ai rien dit, pardon. Mais non, faut encore l'algue argentée. Ah putain, mais il me fait chier. Ah, bois, saoule-toi, noie-toi, mais arrête de me demander à boire. Alors, vous voulez plein de nouveaux plats, il faut faire la rasière au niveau des algues argentées. Je sais, elle est rare ou elle coûte cher, je suis navré. Mais... Elle est rare, c'est qu'il faut aller à un endroit où il y a des algues. Ah. Là, il n'y avait pas d'algues. Okidoki. Si, elle est rare. La dernière fois, j'en ai trouvé 4, je crois. À un endroit où il y avait plein d'algues. Okidoki. Ou une fois, on a dû aller te chercher parce que tu étais un petit peu loin et que tu avais le requin en presse. Non, pas du tout. Je suis revenu à la nage, tu m'as donné à manger et le requin, il n'était pas là. Quelque chose près, c'est que l'histoire était la même. Oh, voilà. Oui, bah, vraiment à quelque chose près, alors. On a beaucoup de choses près. Non, faut pas exagérer.
quelque chose près. Ah là, on a nos nouveaux fours. Nickel. Nos nouveaux fours. Nos nouvelles fonderies, si tu peux. Et on s'est pas pressé pour faire la ville de l'aventure. On a oublié quelque chose. Ben, on a quand même bien avancé, je trouve. On l'a fait en moins de 2 heures, quasiment. Oui. Donc moins de 2 heures. Non, non, tu rigoles, on a fait en 2h30. Non, parce que j'ai vu mon stream et on a le temps d'arriver. Et d'attendre que tout le monde se lance, on le fait en moins de 2 heures. Faudra que je revoie le ralenti. Là, on a fini, c'était quoi, 11h30, et on a commencé vers 9h30, moi je pense, même peut-être un peu avant, mais bon. Bon, on va laisser tourner. La la li la la. Remonte dans ce bateau. Hop, je peux relever le. Hop, voilà. Déjà, ça sera mieux. On a une belle vue quand même. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Oh, j'ai envie de tenter un truc. L'île n'est pas à côté. Bon, alors attends. Ah, bon, mais pour l'instant, il n'y a pas... est-ce que je peux le voir? Merde. Non. Pour l'instant, il n'y a pas... Mais ben non, c'était du sushi. Non, j'ai pas vu comment ça. Voilà. Excellent. Au cours. Oh oui, d'accord. Très joli aimant à ton crochet. Hein ? Aimant ? Ouais, c'est parce que... C'est la qualité du lancer. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que j'ai vu le tonneau aller vers le crochet, je me dis tiens, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'elle a mis comme aimant dessus? Ça fume, ça fume! Ça brûle de partout! Sautez tous à la mer! Et là, le bateau prend feu. Oh non, mon Dieu. Franchement, avec vu la gueule des fonderies, on pourrait se poser la question, vraiment. Il n'y a pas la cheminée qui va s'échapper du dessus dans les étages du fond. Non. Mais venez voir, vous allez comprendre. Hein. Vraiment. Là, je peux pas, je surveille vraiment. Capitoun, c'est quoi cette ambiance discothèque dans le... C'est le disque. C'est l'appareil à fumer. C'est l'appareil à fumer. C'est le disco boat. On va faire à manger dedans ou non? Non, c'est pour fondre les minéraux. Mais t'en fais fondre 3 d'un coup. Ah ouais. Oh ma zette. J'ai créé 2 grosses batteries supplémentaires pour mettre dessus. C'est le disco bot. Soirée fumée, soirée mousse. Pour le jeu de mots, mais apparemment ça n'a pas été bien calculé. Un pic pour moi. Tu
Allez, let's go, on peut y aller. On est arrivé à Lille? Oui. Trésor! Mon trésor, où es-tu? Il y a nounours. Oh, coucou nounours! Ouch! Où se combat? Je vais niquer! T'as pêché avec les appâts que je t'ai donné, qui c'était là ou pas? Non, je vais le faire maintenant, j'attendais qu'on soit à l'arrêt. Je pêche pas pour moi, rempli de mer, c'est triste. Et bon! Non, mais c'est cool, hein! Je pense qu'il faut qu'on lève l'ancre et ton sandal, il y a un psychopathe qui court partout sur l'île avec une hache. Trésor, trésor, où es-tu? Oh, erreur stratégique, je vais le faire. Lèvre classique. Là, je suis un peu rapide, mais j'ai rien à bord. Tu vas bipper, c'est le prix de machine. Oh, le marchand est là. Et là, on va se rendre compte que de nouveau, Dorota a déjà fait des lignes. J'en ai fait tellement. Bah, tu rigoles, mais c'est le cas. Minerai de titane en rupture de stock. Ah, ben voilà. Allez, on peut se casser. GG. Bah, je récupère les rayons de miel. Parce que si les abeilles ont été chippées, le miel est de retour. Donc, je le récolte. En fait, il faut partir vachement loin sur une île très très éloignée. Non, c'est intéressant comme objectif, ça me plaît. Mais en fait, le truc qui s'est passé, c'est que pour avoir le titane, j'ai farmé à fond les ballons, les îles comme celle-ci, parce qu'avec l'ours qui ramène vraiment pas mal de cuir. Donc du coup, entre les coffres au trésor, les ours et les marchands, j'ai quasiment tout vidé. Comme quoi, j'ai fait du bon boulot. Merde, en attendant, j'ai tout vidé pour récupérer ce qui reste, il n'y a pas grand chose. Faut vraiment que je prenne de la bouffe sur moi. Ouah, ça tombe. Oh, regarde les raffineries tant que t'es là. Allez. Oh. On dirait 6 barbecues en un seul. C'est incroyable. Attends, regarde, je vais les mettre à tourner, tu vas comprendre. Allez, vas-y. Ah, j'ai gagné. Il m'a touché qu'une seule fois, l'ours. Oh. Ah oui, d'accord. Goulard. Un coup fumant, le capitaine. Attends, faut que tu l'arrêtes, l'ours, parce que j'arrive pas à le dépecer, là. Ah non, mais il est pris par le courant, l'ours, il est tombé sur la plage. Mais arrête, l'ours. Je peux pas te dépecer. Il est carrément dans le sol. Ah oui, non, mais... Ah, il rentre dans le sol. Eh bien, c'est magnifique. Ah, comme c'est ça, dur. Vous voyez le bug. C'est très drôle. Ah, mais je peux pas le dépecer complètement. Mais vas-y. Bon courage. Il est carrément ce bordel. Ah, ça y est. Ouf. Eh ben dis donc. Il y a toujours des trucs à faire cuire. Hop, je laisse ça. J'ai pêché un poupoulpe. Un poupoulpe. Pourquoi il y a du fer et du plastique en ailleurs? On a trop de fer. Après, non, je pense qu'il y en a qui l'ont juste mis au mauvais endroit. Ouais, je crois que c'est ça. Allez, j'ai pêché avec les lapins. Je fais quoi? Je te donne les poissons ou je vais les... Tu vas les vendre au marchand? Là, de coup. Ah oui, j'espère qu'il y a une mouette qui m'attend. Alors, attends, je vais te montrer un truc, le sage. Ah bon? Non, il n'y a pas de mouette. Non, dommage. Il n'y a pas de mouette.
S'il y en a une, de toute bon façon. Nash. Bon app, bon app, Nash. Bon app, Nash et Man. Ouais, je sais pas, les deux. On met des champignons. J'attends que ma cible soit ici. Les animaux, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont pondu des nœuds. Je vais aller chercher des nœuds neufs. Des nœuds maintenant? C'est ça. Si je vois une mouette sur l'un des deux, ça va barder pour elle. Elle ne voit pas d'où vient le danger. C'est le Titanic, votre bateau, dit la Jed. Écoute, le navire est magnifique. Mais voilà, on a un souci, c'est que le sage a perdu les panneaux qu'il avait mis, où il avait mis ses bêtises dessus. Oui, c'est pour moi c'est un vrai bug, hein. C'est bizarre. Je suis navré, mais ça c'est vraiment bizarre. Oh, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Les bugs, hein. Mm. Voilà, j'ai tout rendu. J'ai eu 24 jetons. D'un seul coup, tout ce qu'on a à faire cuire, ça cuit beaucoup plus vite. Ah, mais tu m'étonnes. Vous me dites s'il faut lever l'ancre ou pas, et puis on va essayer de se trouver une autre île. Et pourtant, l'île sur cette île-là, elle était plus sur la map, là, sur le radar. Donc c'est pour ça, ça m'a paru bizarre. Mm-hmm. Ouais, je sais pas. Hey, Dieu. Ah ben, on voit que AJ a dû avoir le réveil très très mal programmé, là, midi et demi. Ah oui, toujours pas. Non, mais il est peut-être parti en famille, il a peut-être oublié, il avait peut-être un truc de galette de roi en famille, le connaissant, ça m'étonnerait. Oui, bien. Non. Bon. Eh bien, je crois que nous allons lever l'ancre si tout le monde est dans le bateau. Attends, j'arrive. Je m'occupe de l'ours et je reviens. Oui, oui, vous n'aurez pas vos jetons. Je ne reviens pas. On t'attend. T'inquiète pas. Non, toujours pas. J'ai fait une armoire pour le cuir et les plumes. Ok. Non, c'est bon, je suis à bord. Ok. Oui, j'allais dire, je voulais ranger mon bazar. Parce que j'ai dit bazar. Alors, j'ai une île. Hop. Ah merde, évidemment, je mets dans le mauvais coffre. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai à déposer ? Attention, ça tourne. Hop. Ah, alors, ça retourne. Par contre, j'ai pas retrouvé où est-ce que je rangeais le cuir. Bah, je viens de dire, sache que je viens de faire une armoire. Ah, elle est juste là, c'est marqué au-dessus. Excusez-moi, Capitoune. Allez, let's go. On est bon, c'est droit devant. Et on va tout droit. Alors, est-ce qu'il y a un piaf? Non.
suis à côté, justement, j'espérais pouvoir me défouler, mais il n'y a pas de maître. Pédu. Pédu, pédu, pédu. Mais c'est surtout que je vois pas de mouette là, tu vois. Les jetons échangeables, je les ai mis dans l'équipement avec. Ok. Ouais, attends, je vais rajouter les miens. Les animaux. Capitaine, capitaine, j'ai les jetons. Bah, saute à la mer, ça ira mieux. Les jetons sont mini. Elles font grève là, les mouettes ou quoi? Ouais, mais oh. Je pense que vous les avez mis un peu trop près des escaliers. Ah, y en a ah non, non. Moi, quand je passe sans regarder en speed, c'est possible que je leur fasse peur. Hein. Oh, c'est cool le reflet de la lune là sur la lame. Ça fait un très beau bleu, je trouve. Alors, je vois une mouette qui est en haut. Je vais essayer de faire le coup de l'année ici. Voilà. Ah ouais, non, mais là, j'ai envie de tenter un truc qui est faisable. Mais je vais voir. Il faut que je calcule bien le truc. Tu vas descendre! Tiens, feu de mes dieux! En fait, le miel a pas sa place en cuisine, c'est que pour le biocarburant, en fait. Je me trompe? Si tu me dis. Peut-être dans les smoothies, non? Y a pas un même pas. Je viens de vérifier les recettes que j'ai. Donc par défaut, je vais remettre tout le miel que j'ai dans mes frigos ou en bas pour le biocarburant. Remarque, on n'a pas encore tout découvert, hein, le sage. On verra. Je referai une réquisition de miel ou je vais en récolter sur les îles. C'est pas... ça va, on n'est pas dans le mal au niveau des ressources. Attends, du coup... Donc, ah oui, il n'y a pas que la pastèque, il y a le miel aussi. C'est bon, on est en route vers les 5 x 20 de miel. C'est énorme. Ah non, mais le coup du bug des panneaux, ça m'attriste. Non, mais les quand on a commencé, on était à 6 x 20 de miel. Mmh. Oh vache. Bon, bah c'est bien, je suis content d'avoir renfloué un petit peu le miel en écumant bien les précédents. C'est l'avantage. Allez, vas-y, descends le piaf. Je veux que ça soit clippé si ça marche. Alors, grouille-toi le piaf. Ah merde, c'est pas un truc de... Si je commence à comprendre les machines, ça va pas faire... Il y a combien de couleurs de fleurs? Y en a pas 5. Blanc, noir, bleu, rouge et jaune. Ah ouais. Il y a pas du vert? Je crois pas. Non. Non, bah ça doit être que les 5. Je vais te dire que les 3 couleurs primaires plus le bleu et le noir. Le pief, il s'est fait dessus, il sait ce qu'il lui attend. Quand j'ai fouillé dans la cabine à Edgy. Mais si tu voyais la panoplie de couleurs qui s'est fait. Ouais, là il y a du bleu, du jaune, du bleu, du... Du bleu, du jaune et du bleu. Il y a 2 pots de jaune et 3 pots de bleu là. Donc on a l'air d'être prêts. Ouais, mais regarde dans son coffre, tu vois vraiment le nombre de peintures qu'il a. Il y a une île là, sur la gauche, Karine.
Ouais. Ah oui, c'est... il a plus de 300 de bleu, de jaune, de rouge, de noir. Voilà. Il a plus de 800 de blanc. Par contre, je suis pas d'accord, il a un globe, le globe c'est pour le capitaine. Ouais, on est à 550 fondations sur notre bateau. Bouche. Il s'est fabriqué un compteur de fondation. Donc, je conduis plus très droit. Attends, mais comment il a eu le compteur de fondation? Il a pas acheté? Oh non, la mouette, non, la mouette. Oh, putain, le ouais, mais ça veut dire que dans notre dos, il dépense les trucs qu'on garde pour le titane. Comme proposé par Porota, ceux qui font des bêtises, je vais réduire leur chambre à une ou deux cases. Ah. À la place de mettre le lit. Eh ben voilà. Hop, nous sommes arrivés. On va commencer par réduire la chambre du sage parce qu'il ne trouve pas les panneaux. Ah, je suis victime d'un bug. Allez. Et si c'était Jack? Bah non, on peut pas se connecter, j'ai des bêtises. Ah, il a une... Ah, mais Jay, il a une pelle presque neuve, une pagaie, une hache et son marteau, là, dans, la... dans les tiroirs. Sinon... Ah, enfin, ça bip. Ça, ça fait plaisir à entendre. Ah, mon Dieu. Enfin. Ah, je suis content, je vais trouver un trésor. La moumouette. Attention au piaf, quoi que là je n'en ai pas vu. Les graines de fleurs, elles ont été montées là-haut avec les autres graines ou... Non, non. Il n'y a aucune graine de fleurs en haut. Bah, moi j'en ai un petit peu dans ma boîte à caca, forcément. Mais elle est où ta boîte à caca? Bah dans mon dans mes quartiers. Ah, dans mais c'est chambre. Pour ça, c'est que tu l'as décalé. Alors. Bah t'as des plumes. Tu veux faire un chapeau de sioux ou t'as je sais pas combien de bouteilles aussi. Il va falloir faire le ménage, hein, je sais. Oui, capitoune. Ouais, ta caca, j'adore ça. T'étais pas obligé de le préciser, le sage. Ouais, donc c'est ça. Blanc, noir, rouge, jaune et bleu. Ok. Donc... C'est très, très fort ce qui se passe. Même dans la flotte, le détecteur marche. C'est non. Énorme. C'est... Oui, c'est énorme, effectivement. Bah tant mieux. Allez, requinou. Le détecteur de métal submersible. Oh mon dieu. Oh oh, un facochère. Oh. Je crois qu'il nous a vu. Ah, faut vraiment que je reprenne de la bouffe sur moi parce que j'en reprends pas. Allez, viens mon cochon. Oui, j'allais dire, je sais pas ce qu'il fait. Là. Allez, on le fait à deux. Joli. Voilà. Vas-y, dépece-le. Je te le laisse. Je te le laisse. Okay, fais-toi merci. Plaisir. Bon bah je dépece la bête. Fais-toi plaisir. Alors, je prendrai la tête en dernier, le temps qui nous voilà, qui nous laisse tranquille un petit moment. Allez. Je reprendrai que la tête sur la fin. Ah, ah, j'ai envie voilà. J'ai fait une armoire spéciale tête. Vous avez le droit de remplir une ligne avec chaque type de tête. Oh. Parfait.
J'ai mis les têtes spéciales sur la dernière ligne pour, parce que de toute façon, on n'en aura qu'une de chaque. Ah, je suis déception. Tu recommences. C'était pas un trésor. Hein, t'as trouvé quoi, de la ferraille? Ouais, ferraille, des conneries comme ça. Là. Pas très passionnant. Mais là, c'est ce que je vais trouver qui risque de l'être un peu plus. C'est pas beau. Champ est là-bas. Nice. Ah, bonjour le singe. Oui, bonjour, pardon, je fais mon bûcheron. Ah, mais attends, si t'es là, reste là, le singe. Oui, je bouge pas. Tiens. Oh merde, je croyais que c'était encore un coffre. Eh ben non, pas du tout. C'est de la ferraille. Pidu. Deux trucs où il n'y a pas de coffre. Il y en a bien un troisième quelque part. Le jeu va pas me brain comme ça, c'est pas possible. Je l'accepte pas. Bon, c'est pas une île qui a été visitée par Torota. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on l'a pillé. J'abats les arbres, j'récupère les plantes. Alors, hein. Ah, c'est de couper un arbre. Deuxième lien. Passion à défaut de mouette. Déjà, faut que je me défoule sur autre chose. Ah, peut-être là-haut, c'est vrai. Oh, monsieur le sanglier. Bonjour, ange de lumière. J'espère que tu vas bien. On t'arrive sur la fin du direct, hein, il reste moins d'une heure. On va dire le dernier quart. Eh, hey, voilà. Salaud, ton retard. Mon cochon. Il a juste mis le dernier coup. Ah, mon cochon, tu vas dire, non? Même pas. Bah, je l'ai déjà dit, hein. Ah non, tu m'as dit salaud. Donc j'ai dit, tiens, c'est bizarre. J'ai dit salaud, mon cochon. Ah, autant pour moi. Il y a des trucs de quoi faire au sommelier. Ah, il y a des petites baies rouges que je vais récupérer avec plaisir. Ah, c'est où quel machin? Là-bas. Non, me dis. Ok. Mais c'est pas possible. Il y a que de la ferraille de mes deux, là. C'est quoi ce type de déchetterie, là? Eh, hey, te plains pas. Au moins, il y a quelque chose. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Je vais me plaindre à Julien Courbet. Qui a tout en haut? Qui est au sommet de l'île? Là, il n'y a rien. Là, je suis déception. Ah, là, il y a un arbre à battre. Un arbre fruitier. Ouais. Ah, c'est un manguier. C'est pas beau. C'est bon, du coup. La mangue, j'aime beaucoup. Ah, mais... Ouais. C'est pareil pour moi, c'est l'un de mes fruits préférés. Ah, c'est délicieux. Bon, bah. J'ai vu que deux chèvres noires sur l'île. Oui. Aïe. Bon, mais c'est rien. Hop. Bon, mais tant qu'on est là, on finit les arbres, hein, ma foi.
On va pas lésiner notre plaisir. Un bataille d'herbe. C'est ça. Là, je m'acharne sur un panier classique. Ça y est, il est tombé. Bon. Non, mais je crois que j'ai tout fait. Tu as fait les profondeurs, Christella, ou pas? J'y suis. Je viens de dégommer un poisson globe. Oh, joli. Je peux pas le tuer avec. Bah, si, non, avec la. C'est un bug. Ah ouais, ça fait deux fois. C'est un bug. Il faut récupérer bien les flèches et. Ah ouais. Et tu appelles capitaine en second Torota qui va le dépecer lui, parce que lui ça va marcher. Et du coup, je ne sais pas où tu es, Christella. Je suis vers l'avant du bateau, en fait. Vers l'avant du bateau. Dans le... ça c'est le squale qui fait dodo. Je suis devant le bateau, mais je ne te vois pas. Si. Je passe le tour, je vais pas le poser. Tu vois le poisson? Je le vois. Et c'est bon, ça prend. Voilà, voilà. Le nombre de fois où j'ai appelé Torota pour faire ça. Ah, une algue argentée. Youhou. Ça, je serai content. On aura son algue. Voilà. Oui, on lui en donne qu'une, ça suffira. Ouais, faudrait pas que c'est heureux. Hein. Alors, voilà. On récupère de la ferraillax. J'ai trouvé 8 d'argile et 3 sables. 8 d'argile et 3 de sable. Ouais. Ok. Je récupère un joli coffre qui était bien caché et mon salaud. Je crois qu'on a arrêté la technique de la part requin. Pourquoi j'en vois un? Non, c'est moi qui l'ai mis. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est pour que je sois tranquille. Ok. Ouais. Oui, comme je suis sous l'eau. Je comprends mieux. J'y comprends mieux. J'ai pas tant de poules du coup. Et le bedump pour lâche. Oh, j'ai un poisson au fiac. Les graines elles sont toutes en haut sur. Ah oui, merci. Ouais, je vais les ranger. Et là, évidemment, je vais me tripoter. J'ai fait le temps de venir. Ouh la vache, le bois, j'en ai remis presque 100 planches. Non, j'exagère, 80 environ. Non, mais c'est cool, franchement, c'est un heureux constat. Mais puis le bois, on va en utiliser de moins en moins, puisque là, bah, par exemple, les, pour fondre les métaux, ça fonctionne avec des piles maintenant. C'est bien. Avec des pipiles. Moi, ce sera pour la cuisine, les fourneaux. Ouais, voilà. En fait, on n'aurait plus besoin de rien, quasiment. Sur la fin, ouais, de moins en moins, oui. Juste à faire que du compactage, quasiment, pour récupérer tout ce qu'il nous faut. C'est ça. Pour... Mais là, tu vois, l'armoire de bois, une fois qu'elle est pleine, tout le surplus, on peut passer au compactage, hein.
Waouh. D'accord. Oui, oui. Bah oui. Ah, il respecte les règles. Enfin, peut-être pas le bois, parce qu'on va s'amuser à construire des petites choses après derrière, mais... D'accord. On va attendre d'avoir fini l'histoire, parce que sinon on va se retrouver bloqué sur des îles avec les constructions qu'on va faire, ça va être... Mince, mon cerveau a bugué. Oui, je voulais rejoindre mes animaux. Déranger les graines. Oula, d'accord. Les trucs explosifs, tu veux que je te les mette où? Il faut les faire... T'as qu'à les mettre dans le coffre, là, avec les algues. Dans le coffre avec les algues, voilà. Ok. C'est les substances que t'as, ou c'est les poudres? Substances. Si c'est poudre, ça, c'était de l'autre côté, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il faut les faire fondre. Mais là, comme j'ai mis le titane... Ah bah, il y en a trois, c'est impeccable. Je mets lingot de... J'ai commencé à charger la machette avant que le requin ait mordu l'hameçon. Le pauvre, il a à peine touché les crocs dedans qu'il est qu'il coupe de machette. Tête animaux, cuir, plume, c'est ici. Équipement, qu'est-ce qu'il y a? Les trucs j'ai cassé ma machette. Que je te les mette où? Non, merci. Par contre, le plastico ici. Hop, le bois, je n'ai pas besoin, ça va là. Ça va. La ferraille. Tout ce qui est pierre, tu voudras que je te le mette où? Oui, tu as toujours le coffre à pierre. Hein. Ok. J'ai de la terre. Ouais, il n'y a pas que tu aussi. Oh, des mouettes à patater. Ah mais attends, si le, ça je t'ai entendu parler de moi, c'est oui. Que t'es là-haut, donc t'es en cuisine, alors et hop là. Oh merci pour la livraison. Non, il y a une question. C'est apprécié. Oui, attends, vrai, comme je sais que tu cherchais ça aussi, du coup, hop, tiens, ah. Zut, ah pardon, oui, non, merci. J'avais pas vu que t'étais là. Ah, merci. Bon, ça... Tiens, les yeux qui dérangent aussi. Hop. Ah, c'est cool. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ça, si ça, je veux. Ça, je vais le mettre en haut. Ça, je vais le garder pour manger. Ah, ça, le requin a fini par bouffer là-bas. Tac. Qu'est-ce que je voulais aller faire? C'est ça. Ah, j'ai oublié de mettre la terre en bas. Bon, mais je le ferai tout à l'heure. Alors. Ah, mais la mouette a été tuée, alors. Ah non, elle est là. Je la vois. Mais j'attends qu'elle se pose pour que je lui saute dessus. Il faut qu'on arrive à récupérer encore 24 de terre. 25, pardon, de terre. 25 de terre, ouais. J'en ai 6. 19. Ouais.
19, donc je vais en utiliser 12 de plus. C'était là. Ouais, tu les as pas posés en fait, en passant tout à l'heure. Non, c'est pour ça, c'est ce que je disais, j'ai oublié de les poser. Là, je veux faire comme dans Assassin's Creed, tu sais, faire un meurtre aérien, mais sur la mouette. Amuse-toi bien. C'est ambitieux. Donc, parce qu'elle est là-haut, hein, cette... mais... Elle veut pas se poser. Tu vas te fatiguer à un moment. Descends. Et encore, non, attends, c'est pas ici que je voulais le faire, c'était là-haut. Voilà. Ah, mince, j'ai glissé, je remonte. Alors, il est où? Il est où, Torota? Il est où? Il est tout en haut, à côté de la voile. Voilà. Oui, c'est ça. J'avais pas quoi dans les yeux. Putain, tu peux me jeter les la terre, s'il te plaît. Ah, oui. Et hop là, et voici. Merci. Je t'en prie. Impeccable. Ah oui, c'est pas mal. Donc 24 moins 5, il nous manque 19 de terre. C'est ça. Merci. Là, alors. J'attends le bon moment. Ah, c'est cool. Je vais aller pêcher. Il me suffit des cannes à pêche de base, histoire d'économiser un peu quelques boulons. La canne à pêche basique me suffit. Je veux plein de poissons. Ah, l'instant pêche. J'ai oublié de déposer les graines d'ananas. Les palourdes, tu t'en sers en cuisine ou pas? Je crois pas. Non, parce non, que. Le... Les palourdes, tu peux les ramasser pour les mettre au broyeur. Génial. Parce que ça sert, oui, pour faire les nids, sinon. Sinon, ça sert, oui, pour faire des nids pour les oiseaux. Mais... Premier jet de canne à pêche, une vieille chaussure. C'est pas comme ça. Ah, mais attends. Mais, ah, attention, Ezio Auditore, Assassin's Creed, première partie, action! Plein de cuivre, là. Je pense que je vais remonter un deuxième coffre pour les graines. Parce que comme ça, on pourra mettre les graines d'arbres d'un côté et les autres graines de l'autre. Donc, je vais faire ça. Il peut sauter et faire le coup en même temps, je sais pas, tiens. Normalement, oui. Merci. C'est juste que je dois être un peu plus synchro que ça. Ah, ça fait du bien de se relaxer à la péchouille. Ouais, on peut le faire. Moi, je suis au crochet. Ouais, c'est bien. Vachement synchro. Faut être vachement synchro. Dommage, il y a plein de trucs, on peut pas récupérer tout ce qui est coraux et tout. C'est dommage. Mmh. Ouais, c'est beau. Moi je fais des rangements et tout dans le bateau. Et on pourra dans Raft 2, faut espérer. Merci. Il déjà qu'il fasse un 2, bon mais, week-end. Merci, bisous, à plus. Merci, c'est très gentil. Faudrait que j'essaie de te rendre visite prochainement. Alors, pardon, je suis pas mal occupé, mais je viendrai te rendre visite prochainement, Chris Game. Je pense au moins une fois dans la quinzaine. Mais merci, bon week-end, bisous. Ciao, Chris Game, à plus tard. Il faut dire aussi que j'ai ma tonne de ralenti à revisionner là, de rediff avant le week-end prochain, avant que ça disparaisse, pour faire les clips. Et je crois savoir que j'arrive à la moitié, donc j'ai un bon rythme, mais pourvu que ça dure. Bon, avec un peu de chance, j'aurai une semaine plus calme la semaine prochaine. J'aimerais ne pas avoir un nouvel incident domestique.
car je tiens à rappeler que j'ai toujours un WC qui fuit. Alors maintenant, tout doucement, mais il fuit encore. Donc il va falloir que je le répare pour de bon dans la semaine. Mais ça encore. Toujours le du côté du robinet, c'est ça? Oui, bah je crois que le joint du robinet est mort. Donc je peux tourner le robinet comme je veux, le joint est coincé dedans, il est. Alors heureusement il est coincé en bas débit, ce qui m'arrange bien. Faudrait que ça dure. Ouais. Mais... D'accord. Bref. Je vais bloquer une soirée ou une demi-journée exprès pour opérer quoi. Bon, il est 1h30, bien, oh. Enfin 1h plutôt, enfin 1h30. Donc j'ai mis des panneaux à côté des coffres, donc il y en a un que j'ai appelé pousse d'arbre et l'autre que j'ai appelé culture. Voilà. Mm-hmm. Ouais, pas de soucis. Voilà, voilà. Je vais faire la descente par la tuyauterie. Mm-hmm. Hop. Ça. Tu trouves de belles choses, Christella, sous l'eau? Mm-hmm. Quelle réponse pertinente. Bah, tu sais, à part de l'argile et des cailloux, de la ferraille, bon. Et des coffres. Non, j'ai trouvé juste une caisse et tout. Une caisse. Ah, putain, j'ai un bug. Algue argentée aussi, j'en ai trouvé. Ah. Voilà. Des palourdes. Hop. Et moi, je vais m'arrêter ici. Pas de soucis. Non, moi, je casse toutes mes cannes à pêche et effectivement, après, je me déconnecte. Tu casses toutes tes cannes à pêche. Oui, casser dans le sens de les utiliser à 100%. Voilà. Parce que j'en ai fait plusieurs de basiques. D'accord. Et dès que j'arrive à la fin, je pense que d'ici 10 minutes, je serai déconnecté, honnêtement. Pas de soucis. Bon, allez, le piaf, Assassin's Creed numéro 2. Let's go. Moi, merci à tous ceux qui sont passés. Et je Oh oui Oh oui Hop, bon appétit tout le monde. Ah, le piaf, il a pas vu. Bon appétit. Merci petit ciel. Merci comme je t'en prie. Bon week-end, à plus Zoubi. À plus. À plus. De la plume, de la plume. Plus tard, plus d'air, vite, vite, vite. Ah. Et bien voilà la synchro parfaite. Il n'a pas vu le danger qui lui était arrivé au-dessus. Mmh. Où j'ai fait m'étouffer avec ma caméra. Pas du tout. Hop. Le requin qui arrive en face de moi. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bien joué. Ah, je suis descendu un peu trop. Pourquoi suis-je passé par là? Alors, laissais-je sa mort? Oui, j'arrive à enchaîner les poissons. J'ai fait la chaussure au début, et puis là, j'en suis à ma troisième canne à pêche. Poisson. Bien. Ah oui, ça fait plaisir. Alors, ce qui est bien dans Raft, en fait, il y a une recette, entre guillemets, de base, qui est le ragoût de poisson simple,
Il suffit d'avoir deux poissons plus deux légumes, donc pommes de terre ou betteraves rouges. Et comme c'est facile, c'est les éléments du début, voilà, c'est l'intérêt de pêcher régulièrement, juste pour faire ce plat de base qui nourrit bien. D'accord. Ah. Si tu peux pêcher une deuxième chaussure histoire que je me mette la paire, ça serait bien parce que je commence à me les geler un petit peu. Hein? Tiens, d'ailleurs, je vais voir à quoi ressemble mon perso. Oh, la tête d'ours blanc est plus terrifiant que l'ours gris. Sur les îles. C'est trop bien fait cette tête. Non, c'est pas par là. Excellent. Maintenant, je vais prendre ça, 1, 2, 3. Ça suffira là jusqu'à tout à l'heure. Et ben voilà, comment j'ai fini sur un tilapia cru. Un tilapia. Qui l'eût cru? Et voilà. 10, 19, 29 poissons. Ouh, joli. Je vais enregistrer ça dans les frigos. J'enregistre. Il va y avoir de la soupe de poissons. Prochain épisode à gogo. La soupe de poisson. Je sais ce qui est bon. Donne. Non, c'est pas. Je vais mettre la chaussure là. C'était la. Acquitté. J'attends que le sage se découvre aussi. C'était cool. Et... Du coup, quel est ton programme, le sage, pour ce week-end? Eh ben, pour je vais vous laisser là, puisque moi, je vais retrouver la famille pour faire la galette des rois, la chandeleur. Et non, merci tout plein. Moi, je vous retrouverai, c'est simple, pour Raft samedi prochain. Mais le week-end prochain, je serai là tout le temps. Ok. Et ouais, Christella, on te retrouve quand? Lundi pour du Nio. Ouh, Nio, ton némésis. Ouais. Parce que là, t'en es où du coup? Je sais plus. Je sais que je suis à un niveau où il y a de la neige, c'est tout. D'accord. Bon, eh bien, on viendra te suivre pour ces nouvelles aventures de Nio. On me retrouvera ce soir d'abord avec Bastos pour du Power Wash Simulator. Et ensuite, ça sera lundi soir. Lundi soir, ça sera pour. Je pense du Resident Evil 1 que je vais commencer avec Chris. Et après, mercredi, je verrai. J'ai pas encore. On verra aussi pour samedi dans l'après-midi ou samedi soir. Alors, pas le samedi qui arrive, parce que ça sera donc le Black Stories, normalement. Samedi soir à 21h.
Après le Black Stories, je ferai la FAQ en même temps, comme ça au moins ça j'enchaîne les deux. Samedi dans 2 semaines, ça sera autre chose. Si je regarde mon programme. Les projets. C'était Black Stories. Et après, je sais plus. Bon, ça me reviendra. De toute façon, j'ai toujours au programme une parodie à faire. Et ça sera toujours très drôle. Ouais, une parodie de streamer. Je vais essayer de m'organiser parce que j'essaierai de faire 2 ou 3 streamers, voir un peu comment ça va réagir sur le stream. Parce que ça peut être drôle. Alors, je n'ai pas encore. Enfin, j'ai des idées de personnes que je ferai. Bon, il y en a une qui est déjà au courant. Hein, Christella, n'est-ce pas? Ah, c'est bien. Alors, ça sera je pense, la seule et unique fois où vous me verrez peut-être avec une perruque. Je vous le dis tout de suite. Ah! Instant collector. Sympa. Et le deuxième, je pense aussi que ça sera la seule fois. Bon, mais je dirai pas plus. Mais voilà, ça va me prendre un tout petit peu de temps parce qu'il faut que j'achète le matos. Mais bon, ça coûte pas cher, heureusement. Merci Nash qui dit ce fut bien sympa. Il a eu plaisir à suivre nos Ah. aventures. Merci Nash. Ouais, mais c'est vraiment le moment où on arrive vraiment à bien déconner, à se défouler vraiment. Et après, justement, on aura. Voilà. Ben, ça sera The Division 2. C'est ce que j'essaye de prévoir là pour un peu plus tard. Alors, je sais que Christella, c'est ce que tu pensais faire pour vendredi prochain, d'après Ah, ce que j'ai je compris. sais pas du tout encore, hein, pour les stories. D'accord. Ok. Idéal. Du coup, j'essaierai de faire ça pour un samedi soir, à la limite, tranquillement, pour que tout le monde soit là. Et puis, comme ça, on pourra faire un petit peu de quête pour le clan, les projets, et puis. On pourrait avancer. Et puis après, voilà. Pour l'instant, je m'avance pas trop parce que je ne sais jamais ce qui se passe le lendemain. Donc, déjà ce soir, Parle des c'est ministres, sûr. Dinesh. Ouais, mais alors, c'est oui et non. Parce que bon, des fois, je prévois un truc. Mais après, soit je peux plus, soit ça va être laissé reporter, mais bon, voilà, hein, ça arrive de temps en temps qu'il y ait un petit contretemps, donc bon, rien de grave. Hein. Mais après, voilà, déjà ce soir, Power Wash Simulator, c'est sûr avec Bambast. Non, c'est bien. Amusez-vous bien, c'est bien. Bon, bah merci à toutes et tous les copains. Merci à vous devant votre écran d'avoir suivi. Merci de la modération. Je crois qu'il n'y a pas eu d'événements spéciaux. Bon, merci petit Merci Seb hein, pour le beaucoup. relais de chaîne. Mais c'est bien, c'était calme, on était pépère, ça a changé les idées. Là, je vais être vilain parce que j'essaie de grignoter quelques minutes par rapport à mon agenda du jour. Exceptionnellement, une fois n'est pas coutume, je vais couper net sans faire de relais de chaîne. Le vilain. Ouais, pour une Oh fois, là parce là. que j'ai même pas ouvert mon navigateur, j'ai pas besoin de l'ouvrir. C'est par le navigateur que je fais les relais de chaîne. Même mon interface de Chatty, là, j'ai un problème de droit pour pouvoir faire les relais de chaîne dedans.
Mais ah, c'est pas grave, c'est d'accord. anecdotique. Ouais, parfois il perd la main sur certains droits les plus importants. Et il faut remontrer patte blanche, rentrer son code. Et... J'en ai marre de faire des codes tous les jours. C'est pas comme si j'étais informaticien de métier, vous voyez. Voilà, soupir. Donc prenez soin de vous, merci, bisous, ciao ciao, je vais couper. À samedi prochain, même heure, bye bye. Ciao. Bon, mais c'est pareil.